Allez, on la refait! <laughs> Désolée à tous les gens qui sont déjà arrivés! <laughs> et donc, et bienvenue sur le, nouveau, sur le nouvel épisode of Thrones de la Garde de Nuit. Euh, moi, c'est Nymphadora. On est avec Chris et avec Eridan. Et on va parler aujourd'hui du casting de la future série House of the Dragons. Euh, il y a eu des nouvelles annonces de casting qui ont été faites la semaine dernière, donc du coup c'est pour nous l'occasion de, euh, de revenir un peu sur les acteurs qui ont été choisis, sur les personnages qui vont interpréter, et euh, ben, voilà. Et puis bon, du coup on va peut-être un peu revenir aussi sur, le, sur les précédentes annonces et ce qu'on pense de la filmographie des, des, des autres acteurs, etc. Euh, la semaine dernière, on a déjà pas mal parlé de *House of the Dragons*, mais plus sur un aspect photo-volé, euh, normalement, du coup, si vous nous avez écoutés, euh, vous êtes hyper au taquet sur toute la chronologie de la Danse des Dragons et compagnie. <laughs> Donc on va pas trop trop revenir là-dessus, on va juste revenir sur les personnages en eux-mêmes, et sur euh, ce qu'on pense euh, que les acteurs devront jouer, euh, sur les qualités euh, qu'il faudra qu'ils aient dans leur jeu pour pouvoir... Euh, bah, euh, incarner au mieux les personnages qu'on connaît dans les livres. Voilà. Je viens résumer, les garçons. Un vaste programme, mais c'était parfait. Faisons ça. Oui, oui. oui, oui. Bah, moi ça va. Je, je pensais qu'on allait parler de, de, de dunes, en fait. Donc, je suis pas du tout dans le bon Twitch. Je m'en vais. <rire> <rire> au revoir, Chris. Merci d'être passé. <laughs> non, pas du tout. c'est à dire j'ai fait cette blague de merde. J'espère que vous êtes contents. <laughs> voilà. Alors, euh... Euh, on va direct attaquer par un premier point casting, entre ah oui, guillemets, ah oui, okay. c'est le casting des dragons, <laughs> et oui, euh, parce qu'en fait il y a eu euh, des drôles d'annonces, euh, comme quoi a, on peut lire un peu partout euh, qu'il y aurait euh, 17 dragons annoncés dans la série, donc on va revenir un tout petit peu là-dessus pour euh, débunker un peu ça, bah, Eric, tu vous expliquer ça sort d'un podcast, non C'est ça est de, de, de Ryan Condal, qui est, le, qui est le showrunner de la série, du coup, qui a invité George a. Martin dans son casting et ils ont fait des blagues à propos de Ah, il y avait trois dragons dans Game of Thrones, il y en aura 17 dans le, dans le prochain, machin, tout ça. Et tout le monde a pris ça un peu pour pour un argent content, alors qu'en fait, je pense qu'ils étaient juste en train de passer un bon moment et euh, de dire des choses dont ils avaient envie. C'est ça, ouais. Voilà. <laughs> ouais, globalement, George Martin a dit, euh, a dit Ah ouais, normalement, il y a environ dr 17 dragons dans l'histoire, j'ai trop hâte. Normalement, en plus, je les ai faits chacun avec une personnalité. Et Ryan Condal a juste dit Je pense que tu ne seras pas déçu. Ouais, ça fait un oh peu nègre, ouais. hein, comme. Euh, euh, ouais. comme euh, voilà. Sachant que une voilà une grosse, grosse confirmation, effectivement, oui. Sachant que euh, bon, euh, HBO et euh, on donne une vraie personnalité aux dragons. On a quand même eu l'impression quand il y en avait trois qu'il y avait, euh, il y avait globalement deux figurants et un qui avait un bac de philo. C'est pas mais <laughs> ça. Aussi. Exactement. Bon, voilà. Et puis en plus les bestioles sont vraiment traitées comme des, enfin dans les écrits de Martine, sont vraiment traitées comme des grosses bêtes. Donc du coup, aller dans la psychologie draconique, je pense que c'est peut-être aller un peu loin par rapport à l'univers. On n'est pas dans les dragons qui parlent, quoi, je veux dire, c'est pas... Non, complètement. Ah. Après, bon, en termes de personnalité, oui, effectivement, il y, y a des petites choses qui sont possibles. Euh, maintenant, euh, de là à dire que, vraiment, ils auront des personnalités différentes, c'est quand même euh, très excessif, je pense, comme, euh, comme annonce, d'autant que ça part, effectivement, de, de, de propos rapportés qui qui annonçait pas autant finalement donc euh, pff, moi j'y crois pas vraiment après qu'ils puissent jouer sur les âges les tailles euh, et les couleurs puisque effectivement ça déjà dans le dans le bouquin euh, Martine jouait beaucoup là-dessus euh, ça ça me paraît déjà plus possible ouais euh... moi c'est ça que j'espère des jolies couleurs après... pour après... les dragons qu'on verra à l'écran après... euh, des couleurs un après... peu distinctives ça aura hein. Peut-être quand même un effet, tu sais, euh, ils ne seront pas tous animés de la même façon, il y aura quand on même, tu sais, euh, vraiment euh, des, des pattes avant, peut-être d'autres pattes avant, tu vois, pour essayer de les distinguer de trucs, euh, des trucs comme ça, peut-être avoir tout un, tout un panel de dragons euh, qui va, qui, dragons, euh, repré enfin, je dragons sais pas, représentatif d'un peu tout ce qu'on peut faire en, en termes de trucs draconiques pour bien les distinguer ouais. les uns des autres. Alors, si vraiment on veut faire plaisir à Martine... Les dragons, ça a deux pattes et deux ailes. Faut pas rajouter <laughs> euh, une deuxième paire de pattes, c'est pas possible. Ouais, ça, ça tu, diras ça, tu diras ça au blason <laughs> qui <quatre>, où les <laughs> dragons ont quatre pattes. Oui, oui, je ne le pas. Donc voilà. Euh, Est-ce que deux fois dit que Chris, tu as l'air super en forme ce soir Non, c'est pas vrai. Je viens de finir une journée de 9 heures de boulot où j'ai été sous la pluie. <rire> <rire> bon voilà. Donc c'était notre point euh, casting dragon. Attention. Hein. Même... Ah, vous, aviez, vous aviez déjà débunké, le... on avait déjà fait en live de débunker le. Parce que moi j'ai appris un truc tout à l'heure, peut-être les gens ne le savent pas non plus, en fait, l'histoire des artworks là. Euh, les artworks de, du dragon, d'ailleurs, celui-là qui est. En fait, il y, eu, euh, y a eu deux artworks de dragon qui ont, qui ont tourné, dont celui-là. Euh, attention, ce n'est pas des vrais art artworks de House euh, of the Dragons. Euh, C'est des, euh, des fakes. Euh, C'est tiré d'un film chinois. Et, euh... Oui. Mais ma foi, euh, c'est plutôt joli. Donc, euh, j'ai quand même choisi non. de le mettre ici. Parce que les gens avaient ils un peu identifié ça comme, comme Caraxès et Feu du Soleil, non Un peu comme ça euh, Caraxès, essentiellement, oui, à cause de la couleur rouge. À cause de la couleur rouge, oui. Alors, attends, voilà. Bobard dit que si, ces deux-là, c'est de là si. Ah. Euh, ces deux-là, un... ils sont officiels. Moi, j'ai un doute, hein, je ne crois pas. Hein. Il me semble que Sunfire est. Euh... Ouais. Bon, ben, bah, euh, bon, bah, on, on vérifiera. On, on, on a un chat on on un Fact-checker. Ce mot chiant, à dire. Fact-checker. <laughs> enfin, vérifier les sources, quoi. Voilà, on vérifiera, on vous confirmera ça. Baba recherche. <laughs> Et en attendant, on peut passer au deuxième item du, euh, du, euh, du, euh, du, euh, du casting. L'effort. Alors, je pense que mon, euh, que mon petit... Euh, que mon petit arbre généalogique euh, est petit et un peu flou, mais bon, c'est pour, euh, pour la forme, parce que donc du coup, on, a, on nous a annoncé trois euh, nouveaux acteurs qui vont tous les trois dans la famille fort. Lionel, le papa, Arwin, le fils numéro 1, et Laris, le fils numéro 2. Dans, dans la famille fort Je voudrais fort. le papa. <rire> <rire> et Arwin, notamment, il est donc très important. Parce que, comme vous le voyez sur le petit dessin, il a des petits pointillés vers une certaine Rhaenyra Targaryen. Peut-être dit... il la connaît Peut-être il la kenne. <laughs> <crois -moi. rire> oh non, c'est pas le genre. Il <laughs> est vrai. Et les trois enfants de Rhaenyra Targaryen, officiellement les fils de Lennor Velaryon. Bon. Peut-être c'est pas tout à fait des officiels, quoi. Pas... <laughs> peut-être, euh... peut peut-être, peut-être, peut-être ils ont pas euh, tout à fait le bon papa. Ouais, Et peut-être peut ça va peut créer, créer, créer des problèmes. En fait, peut-être qu'il va y avoir des rancœurs. Enfin bon, des histoires de bâtards qui, qui créent des rancœurs, on n'a pas l'habitude dans ce genre d'univers, ouais. je crois. Game of Thrones nous a tellement pas habitués à ça. Ouais. Alors dans le chat, Babar confirme que les dragons, si si, c'était des officiels en fait. C'était okay. d'autres. Donc en fait, il y avait une fausse. Il y en avait une fausse avec un dragon aux <laughs> yeux bleus fausse, qui était fausse. Hein, fausse. Ouais. Mais euh, celle-là que j'ai mise et euh, celle de feu, feu du soleil, que je n'ai pas sous la main, mais euh, qui était assez jolie. Euh, okay. C'était tous les deux des vrais. Voilà. Merci Babar. Bien. Merci Papa. Et du coup, il y a quelqu'un qui dit que c'est de la famille Fort des tiens rénal, Donc peut-être pour S'il les... y a des gens qui ne sont pas familiers de la famille Fort et qui, qui nous écoutent, euh... moi typiquement, euh, la famille Fort, euh, j'ai pas. Enfin si, j'ai lu le bouquin, hein, tu vois, mais à un moment, je me suis dit, oh putain, c'est qui eux déjà Déjà, ils ont un nom un peu pété genre euh, ah j'avais plus d'idées plutôt que de les appeler euh, les Tulis je les ai appelés les forts tu vois mais bon non, bref c'est mon genre de c'est ton genre de réflexion là-dessus ouais c'est ça c'est genre quand tu, quand tu commences à arriver aux adjectifs pour nommer les personnages j'ai toujours euh... un effet de ah, c'est quand même moins bien que d'autres trucs quoi tu vois mais, ouais euh... après je pense que là au niveau de la famille fort euh, c'est assez réfléchi de la part de Martine je vais, je vais rentrer dans de la grosse théorie de bouquin hein, je suis désolé <laughs> je suis pour ça je Bière. <laughs> et, euh, <laughs> Exactement, buvez, c'est le moment. <laughs> Mais euh, disons que toute l'histoire déjà des, des bâtards de Cersei commence avec euh, John Harin qui dit euh, The City Strong et en anglais euh, Strong c'est justement euh, le nom des forts. Et bon, ça c'est vraiment pour, euh, pour brosser très très large. Si on veut faire euh, un peu plus précis. Le nom d'effort justement, ça va donner plein de sous-entendus, plein de, plein de jeux de mots derrière de la part de leurs détracteurs pour dire non mais en fait les gars vous êtes juste des bâtards, vous n'êtes pas des vrais Vélérions donc arrêtez de vous la raconter, vous pouvez pas prétendre légitimement au trône de fer etc etc. Voilà c'était la minute gavante, vous pouvez arrêter de boire et reprendre une activité normale. <laughs> Non, mais tu peux peut-être mais... nous réexpliquer, donc, euh, Arenal et le lien avec, euh, avec l'effort? forts euh, Arenal, au oh, bah, rapidement, Arenal, c'est la forteresse maudite qu'on connaît par la Calaria est passée. Euh, elle a été incendiée pendant la conquête par Aegon le Conquérant. Euh, c'est un lieu qui est assez important dans l'univers de Martine et qui change de, de propriétaire un peu tous les 50 ans, si on veut résumer les choses de manière. Euh... Tous les 50 ans, t'es un mec sympa. Dans hein. ce qui nous attend techniquement dans House of the Dragons, ça va changer ça un peu plus souvent que ça. <laughs> Alors non, non là en l'occurrence, oui ça va, ça va changer. Euh, oui, on va dire qu'en plus la position stratégique de Arena le fait que c'est un lieu qui est très difficile à tenir et qui se fait. Euh, envahir un petit peu tous les quatre matins dès qu'il y a un conflit au niveau de, du Conflant ou d'Ouesteros. Euh, là, en l'occurrence, les forts, eux, ils ont quand même une certaine longévité parce qu'ils détiennent le château depuis le règne de Jairis, donc l'an 73, si je ne dis pas de bêtises. Euh, et là, on arrive sur les années euh, de la danse des dragons, donc 129-130, et ils l'ont toujours. On est sur un peu plus de 50 ans, c'est pas mal les gars, c'est bien joué pour un château maudit, franchement euh, voilà, il y a d'autres lignées qui l'ont tenu pendant beaucoup moins longtemps que ça. Ah oui, il y a une espèce de lignée qui s'éteint dans Feu et Sang, je me souviens, il ouais. n'y a plus juste qu'un vieux qui vit dans Arenal et tout, et c'est un repère de brigands. C'était ouais, beaucoup non. trop cool, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait une série là-dessus <laughs> T'amalgames plusieurs choses, mais oui, c'est exactement ça. T as les Coeris qui étaient passés pendant une trentaine d'années, je crois. Derrière, t'as les Tourelles qui le tiennent pendant encore moins de temps que ça. Mm. Et euh, les Forts, là, ils... je crois que c'est une des familles qui détient Arenal pendant le plus longtemps quand même, euh, pratiquement. Et puis, pour le coup, Arenal, on revient en terrain inconnu puisque le public a déjà croisé ce... Ce lieu-là dans, dans Game of Thrones pendant au moins deux, peut-être trois saisons, <coughs> on y a eu droit à, autour de, des intrigues du conflant, quoi. Yep. Et donc du coup, le psychologue sur le, euh, sur le chat nous dit donc en gros ouais. le père de la famille Fort a eu une liaison avec Rhaenyra. Donc si on n'a pas été suffisamment clair, oui. Alors c'est pas le père en l'occurrence. Euh, le père il s'appelle <laughs> Lionel. C'est le fils, Arwin. Et donc, attention, hein, Lionel il n'a pas de liaison, s'il vous plaît. <laughs> Alors, oui, c'est de la private joke, c'est mon mari, il s'appelle Lionel, donc mon mari n'a pas de, de, de liaison. J'ai pas osé la faire depuis le début du chat, euh, je suis très content que tu la fasses. <laughs> donc, bref, bref, le fils de Lionel, Arwen, a eu une liaison avec euh, Rhaenyra Targaryen et les trois enfants, euh, Jesseris, Lucerys... Et Geoffrey, qui sont officiellement les fils de Lénor Vellarian et Rhaenyra Targaryen, sont officieusement les enfants de, de Harwin Fort. Et donc ces trois petits là, ils ressemblent très pour trait à leur papa, ce qui évidemment attise les, euh, les rumeurs de bâtardise. Et papa, c'est lui, c'est lui Harwin dans la série. Un peu, un peu belâtre hein, euh, en termes de, de choix de casting, on est sur, euh, je trouve, quelque chose d'assez proche de Dario, moi, mais euh, enfin, tu vois, dans, les, dans le mood de la photo. <laughs> Alors, moi, je le trouve un peu plus fort, justement, tu vois. Mm. Mais, euh, mais c'est vrai qu'il a un petit côté, euh, un petit côté, euh, ouais, il fait, ça, euh, il fait bon vivant sympa, beau sympa quoi. Ça. Beau gosse sympathique, exactement. Quoi, Genre, c'est enfin pas le, le beau gosse intimidant. C'est euh, pas le premier, parce que le deuxième, surtout. Mais... Oui, le deuxième, on est d'accord. Ouais, je... mm. Oui, le premier faisait un peu trop euh, gravure de mode grec. Euh... Ah, là, le premier, non, il avait un regard un peu fou. Moi, je, je trouve ça marrant. Mais euh, bon, voilà, on n'est pas là pour débattre de Dario. <laughs> on peut, on a l'habitude. <laughs> non, moi, c'est à peu près ce que j'attends pour, euh, pour ce personnage-là qui va effectivement finir par séduire une princesse et, euh, et faire euh, trois enfants bâtards avec. Euh, ça me paraît un bon choix de casting pour le coup. Il a la bonne tête de l'emploi. Ouais, alors dans, les, dans, les, dans la filmo de l'acteur, on a essentiellement euh, de la série, hein, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de, de séries télévisées, euh, et de téléfilms de Noël, tu vois, donc quand je te disais qu'il y avait une espèce de mood un peu bellâtre, je pense qu'on euh, était un peu dans ça. <laughs> <laughs> bah tu en <laughs> sais rien, ça se trouve, ouais. il jouait le Père Noël, hein bah, Attends. Bah, ah, Moi si le Père Noël bien, il ressemble là. à ça, euh, <laughs> il passe dans ma cheminée, et... <laughs> ouais, Vive les cadeaux bon, bref. <laughs> Non mais enfin allez. moi je... mais je lui trouve un côté euh, un côté un peu sympa quoi tu vois c'est un mec euh, tu te vois aller boire des bières avec lui quand même c'est pas le bellâtre euh, le bellâtre, euh, glacé quoi oui un... il a il, a, il a pas l'air énervant en fait c'est ça bon après voilà on juge sur une photo vous avez vu la pertinence de ce chat je crois <laughs> qu'on a déjà fait des trucs <laughs> beaucoup plus pointus que ça <laughs> voilà mais donc lui c'est donc Arwen c'est le, euh, le, le futur mec de de Rhenera. lui c'est papa c'est Lionel. On voit tout de suite la filiation. <rire> <rire> euh, pour le coup, euh, pour le coup, lui, euh, c'est un habitué de, euh, des euh, de, des séries euh, britanniques, Britannique, qui s'appelle Gavin Spokes. Et, euh, oui, c'est un visage qu'on a déjà vu, même si on n'en a pas conscience, je pense. C'est vraiment, il fait partie du, de l'univers de la BBC, je pense. C'est euh, on l'a vu dans des tas de second rôles, dans des tas de petites séries, dans des... Enfin voilà, vous, vous avez forcément déjà croisé sa tronche un peu quelque part, quoi. Euh, Du coup, je ne sais pas si on a encore accès au, au drive de la dernière fois, mais euh, il me semble que justement ces deux-là, on les a déjà vus en costume, le père et le fils. Il y avait une photo où on voyait deux mecs à cheval, euh, des nobles ouestriens qu'on n'était pas complètement sûr d'avoir identifié, même si euh, les rumeurs euh, proposaient justement que ce soit les deux forts, le père et le fils. Et à mon avis, vu la tête des acteurs, ça se confirme là, effectivement. Alors je suis désolé, j'ai pas la photo parce que j'ai pas regardé toutes les photos floues. Voilà. Oh, quel dommage. <laughs> Moi j'applaudis de demain. Il faut se garder un peu de surprise. Hein. <laughs> Peut-être présenter rapidement Lionel, donc, qui est sire de Arenal, effectivement, euh, et qui va en plus devenir maître des lois de, de Viserys, donc euh, le roi sur le trône. Euh, il deviendra à un moment donné sa main du roi. Après ça, est-ce que ce sera adapté ou est-ce que ce sera abandonné, vu que c'est un changement euh, assez mineur, je ne sais pas. Et il... est-ce que je spoil Est-ce que je spoil bien méchamment je peux... Attends, on va demander au mmh. chat. Est-ce qu'il est ouais, qu spoil Est-ce que vous avez envie d'être spoilé Si vous n'avez pas le Genre, est-ce que, voulez... est que vous voulez savoir comment le personnage va mourir dans la quatrième saison <laughs> <laughs> C'est comme ça non, que vous, lui, vous posez euh, Lui, vais, il, <laughs> il va pas. Bon, bref, je ne dis rien pour le moment. Qui veut se faire spoiler Alors, Pour l'instant, on a Esclarmonde qui dit oui. Amaraï <laughs> qui dit oui, spoilé-moi. <laughs> bon, euh, sinon, on spoil et euh, moi, je vais faire un, un truc genre. Si vous ne voulez pas être spoilé, vous attendez d'entendre <laughs> ma voix. <laughs> Et normalement, <laughs> ça devrait bien se passer. Lilou dit allez. aussi vas-y, allez, vas-y. Allez, je spoil, mais oui, après tout, on est là pour ça. Euh, non, lui, il a une durée de vie qui ne va pas excéder une ou deux saisons. Voilà, <laughs> ça c'est fait. Euh, ce qu'on disait la dernière fois, c'est que. Probablement, les événements de la première saison de House of the Dragon vont, ouais, je le prononce toujours aussi bien, vont sûrement euh, revenir sur le début de la danse. Et euh, bah lui il meurt avant le début de la danse hein, concrètement et son fils aussi en 120 il y a un incident qui se produit à Arenal, justement décidément euh, quelle gentille petite forteresse et euh, le père et son héritier et le fils vont ouais, ces deux là, oui ces deux-là vont oui. mourir en même temps dans un incendie aux causes indéterminées. Et là-dessus, il y a plein de théories mmh. qui s'affrontent dans le bouquin. Ta Champignon, je crois, qui nous sort. Ha <laughs> Si ça se trouve, c'est Daemon qui a voulu euh, éliminer euh, des rivaux. Ou bien euh, c'est, je ne sais plus qui, euh, dans la version de Septon Eustace. Et il y a un personnage dont on va reparler plus tard parce qu'il a été casté, euh, qui dit :« Non, non, si ça se trouve, c'est pas ça. Si ça se trouve, c'est Viserys lui-même qui a mis le feu. » Alors. Pas lui-même, mais qui a engagé des gens pour mettre le feu à Arenal et pour euh, tuer bah, l'héritier fort, donc Arwin, parce que eh, t'as couché avec ma fille et du coup mes petits-fils sont des bâtards, comment te dire, j'apprécie pas trop Voilà. On notera euh, la bonne blague d'essayer de mettre le feu à Arenal. <laughs> ah bah, L'ironie de la vie est parfois bien ironique. Qu'est-ce que tu veux L'histoire se répète. Alors, bref, on a un troisième fort. Lui, c'est Laris. Euh, alors, Laris, on a un fan art aussi pour lui. Alors, vous voyez que euh, niveau, euh, niveau canon, on n'est pas tout à fait sur le même, euh, sur le même créneau, quoi. Euh... Non, mais les images sont pas canon, c'est pas grave. Ouais, alors, il y, y a quelqu'un qui dit canon un peu, le Laris. Je ne dirais pas, mais cette personne s'appelle Babar Desbois. Euh... <laughs> Il s'appelle Mathieu Nidam et pour une fois, Babar et moi, on est un peu d'accord. Du coup, est-ce qu'on pourrait l'appeler Laris le beau fort et dire qu'il est représentant en fromage. Oh, 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 oh là là <laughs> Non 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 <laughs> Vous prenez un carton jaune, monsieur. <laughs> ah oh merde possible. Je ne pourrais pas revenir à la prochaine émission. <laughs> Mais alors que, non, ce qui tombe magnifiquement bien, en est... plus, c'est que le personnage n'est pas du tout censé être beau. Euh, il n'est pas du tout censé être canon, justement. Mais bon, c'est pas grand Non, grave, il, est, hein. euh, il est, il est, effectivement. Déjà, il est, il a un pied beau. Et, euh, et ouais, il est. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé de dire qu'on pouvait être euh, à la fois un peu handicapé et en même temps un peu beau gosse aussi quelque part. Peut-être. Ou peut-être qu'il ne sera pas handicapé, on verra. Peut-être que <laughs> le côté... <laughs> euh, peut-être qu'ils avaient peur qu'il y ait une redite avec euh, Tyrion, je sais pas, mais enfin, bon, tu me diras que Tyrion, déjà, il l'avait plus ou moins embelli par rapport au livre. Donc, euh... Tu penses, toi, oui. à Tyrion Non, pas vraiment, mais tu vois, c'est le côté un peu intelligent. Et... Enfin, bon, en, en vrai, pour moi, il, il rappelle plus Littlefinger que Tyrion, mais, mm. euh, mais euh, le, le mec qui est euh, un peu mastermind, etc. Et qui en plus est handicapé et laid. C'était peut-être un peu beaucoup. Et donc, euh... mmh. Pour moi, c'est un gros mix, euh, ce fameux Laris, c'est un gros mix entre Littlefinger et Varis, ne serait-ce même que dans le prénom, en fait. Euh, Laris, ça rappelle à la fois les deux. Le Pied Beau, euh, ça peut évoquer le fait que Varis est un eunuque. Euh, Arenal, ça évoque un peu Littlefinger aussi, quand même, mine de rien. Maître des chuchoteurs, on retombe sur Varis. Euh, Manipulateur hors pair, on retombe sur les deux, concrètement. Euh, traître dans tous les coins, un... on retombe sur Littlefinger. finger fin... ouais, est en train est... de dire que du coup, les showrunners, ils sont super contents parce qu'au lieu d'avoir à caster trois personnages ou deux, ils en ont plus qu'un. Ouais, mais là <laughs> c'est dommage, tu vois, c'est qu'ils aimaient bien faire parler euh, Varys et Littlefinger entre eux pendant des dialogues interminables qui étaient plus ou moins pertinents, on va dire. Ah, là, il va devoir faire... se parler tout seul, le pauvre garçon. Euh, bah, ça, peut donner, ça peut donner des super séquences de monologue. Peut-être qu'ils ont remplacé le côté piévot par un espèce de truc euh, où le mec, il est, il est schizo, tu vois. On n'en sait rien. peut <laughs> Est-ce qu'on le présente aussi, lui, fait rapidement, ou... ou on en a déjà dit beaucoup Ouf. Bon, on peut peut-être enchaîner, non On peut enchaîner, ouais. alors j'enchaîne quand même sur euh, le blason fort et le fourgon fort, voilà. Il ah, était réclamé ouais. sur, le, sur le chat, ce sera, ce sera la seule photo volée que vous aurez de tout ce de tout, de tout ce, de tout ce de tout ce Twitch. Et voilà, il euh, y a une carriole une avec euh, le blason fort et euh, des charmants euh, casques à plumes au-dessus du blason. C'est che, chelou un peu le blason, hein d'accord euh, Non, allez, t'es en train de kiffer ta vie devant ce fourgon, laisse tomber, on <laughs> le sait tous. Ah non, mais j'aime bien, bien le fourgon, je dis juste qu'il est mal décoré, tu vois. Quand tu, mets, quand tu dois tuer une bagnole, tu fais mieux, tu vois. <laughs> ouais. Ça manque de bling Un petit néon sous les roues, là, je, je, enfin, c'est pas dégueu. Hein. Un, petit, ouais. un petit Dominique Toretto à l'avant, et puis c'est parti, quoi. <rire> <rire> Ah, J'avoue que le casque n'est pas exceptionnel, ouais. mais après, le blason fort de, de base, il est un peu minable. Donc là, le fait qu'il ait été un petit non, peu ça, ça... perfectionné, ça... peut-être pas plus mal. Non, mais ça, c'est le côté de Martin, genre, ah, je vais faire un, un blason avec ça dedans. Et en fait, les mecs, quand ils regardent ça, les directions artistiques, ils font, oh non, ça va être une moche. <laughs> Pourquoi, Pourquoi est-ce que Dario, il a des dents en or, <laughs> la barbe teinte et les cheveux dans une autre couleur Putain Enfin, voilà, bref. <laughs> Et toi aussi, j'ai pitié de la direction artistique des fois. <laughs> c'est vrai que. Oui, c'est clair. Bon, voilà. Alors, du coup, on a passé l'effort. Là, voilà on peut attaquer les oh. Lannister, car oui, ce n'est pas une personne, mais deux personnes que vous avez en face de vous. C'est les Lannister. Donc, ce monsieur s'appelle Jefferson oui. Hall et il va jouer à la fois Jason Lannister et Thailand Lannister. Yes. Et alors, il faut savoir qu'il est crédité que pour un rôle sur IMDb, donc j'espère qu'il touche quand même le double cachet. <laughs> ah bah on va lui souhaiter. Alors, dans quoi est-ce qu'on a déjà pu l'apercevoir, ce bonhomme-là ben, Ah oui, Et bah, oui bah, Dans Game genre... of Thrones euh... Figurez-vous ah, voilà. que cette photo, c'est une... une... un style de Game of Thrones. Première saison, c'était Hugues Duval. Voilà, voilà. Il va falloir euh... resituer parce que Hugues Duval. Euh... Non, mais je ne sais même pas si Hugues Duval, on l'a vu sans son armure à un moment dans Game of Thrones. Peut-être bah, légèrement oui, mais... Oui, là, puisque ça, c'est une, une photo en, en gambison sans l'armure. Ah oui, on le voit, voit peut-être parler euh, à, à, à Stark. Ou à Jory, Jory. Ouais, peut-être, vieux vie. Pour mais... lui dire qu'il veut Juste parler de... que devant la ah, Oui, c'est ouais. ça, oui. C'est ça. Ouais, ça. <laughs> OK. Donc, bon. Et donc, ouais, donc on resitue Hugues Duval, c'est euh, euh, saison 1 pendant. Euh... Pendant euh, le, le tournoi de la main, il euh, y a un mec qui a l'air de savoir des trucs sur euh, le meurtre de John Harin parce que c'était son ancien écuyer et euh, bah, euh, il se fait tuer euh, sauvagement pendant le tournoi de la main. Ouais, il qui... y a quelqu'un qui. <laughs> On se demande bien, tiens. Par Gregor Clegane <laughs> Donc, un fidèle Lannister. Le, le futur Robert Ford, c'est ça C'est ça. <laughs> donc, euh, un, et puis, un, un vassal Lannister. Donc, le fait de le retrouver là a joué un Lannister. Un hein, voilà. bah, enfin, double que... Lannister, d'ailleurs. Il faut dire qu'il a mieux joué sa carte, lui, que euh, le mec qui a fait et le pilote de Game of Thrones, et le pilote de Blood Moon, et qui, au final, n'a jamais été dans aucune des deux séries Game of Thrones. <laughs> c'est pas faux voilà. Il y a de l'ironie, oui, effectivement. C'est très a hein, tout ça. Oui, il surtout... y, y, y a le psychologue qui parle de Viking parce qu'il a joué Thorstein dans, dans Viking, donc il a été là pendant trois saisons, effectivement. Euh, mm -hmm. Il a aussi été dans Tabou avec, euh, avec Zut, comment il s'appelle euh, Tom Hardy, entre autres, et Jonathan Price et des trucs comme ça. Donc je pense qu'il y a un petit côté. Euh, Paracoleur, mais en tout cas, on va aller chercher quelqu'un, un visage un peu connu, des, des gens qui aiment déjà, des gens qui aiment Game of Thrones et qui ont déjà regardé des séries avec lui quelque part, un petit peu. Donc, on va être un peu en, en terrain relativement connu. Son dernier truc, c'est qu'il joue un homme bien habillé dans Ténèt. Voilà. Ah oui, 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 ça voilà. m'a marqué. Ça. Non, mais je me demande si c'est pas le mec qui leur présente, tu sais. Euh, alors, si vous avez vu Tenet, euh, à un moment, les deux personnages se rendent dans un espèce d'endroit où ils entreposent des œuvres d'art. Il y a un mec qui leur présente le système de sécurité qui est très bien habillé et je me demande si c'est pas lui. Mais euh, voilà. <laughs> ouais, alors, j'avoue que euh, déjà Ténette, j'ai préféré l'oublier. Mais alors, du coup, <laughs> les hommes bien habillés dans Ténette. Est-ce que c'était pas <laughs> la seule chose qu'il y avait finalement <laughs> Bon, bref, n'est pas là pour parler. Passons hein. <laughs> à la suite. Bah, du coup, on peut peut-être quand même resituer les, 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 les jumeaux lénisseurs qu'il va jouer. Euh, sachant que euh, du coup, lui, pour le, pour le coup, il est amené à être dans la série pour un certain bout de temps. À un bon moment, oui. Oui, ouais, complètement. Euh, les coup, jumeaux les Lannister, oui, vas-y. C'est celui qui finit avec le voile sur la tronche et tout euh, Entre autres, oui. C'est euh, enfin, un des deux. <laughs> Alors, lui, pour le coup, il peut rappeler Tyrion euh, par plein d'aspects aussi, mais bon, on ne va pas rentrer là-dedans. Euh, pour faire rapide, les jumeaux Lannister, il y en a... Enfin, déjà, quand ils sont jeunes, ce sont des soupirants à Enira et, et de potentiels matchs pour elle, pour son mariage, mais ça se fait pas. Euh, Jason, il va devenir seigneur de l'Ouest et de Castral Rock, etc. Et il sera pas très important ni très intéressant euh, par la suite, enfin, à mon avis. Euh, par contre, Thailand, lui, qui est le cadet, il va se retrouver au conseil restreint de Viserys à la fin du règne de Viserys. Et euh, il se retrouve, pour commencer, il est maître des navires, et il se retrouve très vite euh, dans la position de Grand Argentier, et il va soutenir le parti de la reine Alicent et le parti d'Aegon 2, pour commencer à spoiler un petit peu, et il va avoir un rôle assez important euh, sur la suite de la danse des dragons. Voilà, j'en dis pas plus, perso, si vous voulez compléter. Non, bah non, après, euh, non, non. Juste, euh... juste qu'il va, pour le coup, lui, c'est un des, un des soutiens qui durera longtemps. C'est un rôle... Euh, ouais, et puis lui, puis lui, puis lui il morfle. Hein. Ah, ah oui, d'accord. Ah, ouais, ouais euh... lui, il mange un peu. Mais du coup peut-être une des histoires. ça fait partie des parce que moi les trucs avec les blonds peroxydés sur leur dragon généralement ça m'intéresse assez peu mmh. euh, mais j'aime beaucoup tous les personnages euh, secondaires qui gravitent autour et celui-là en fait partie en fait ouais. du coup ça fait partie des trucs que j'avais retenu en lisant feuille ça après là où c'est ouais. un... enfin, là où c'est un petit peu dommage je trouve c'est que moi je trouve que le personnage est très très intéressant surtout après la danse des dragons parce que c'est lui qui va poser les bases de justement des réconciliations entre les anciens partis ennemis et entre les anciens frères ennemis Enfin, c'est un de ceux qui va poser les fondations pour ça. Et euh, je crains un petit peu que House of the Dragon euh, fasse l'impasse sur son rôle euh, là-dessus. Bref, si c'est le cas, euh, lisez le livre. Il est bien. Est-ce que ça ne nous fera pas une meilleure scène de fin de Conseil Restreint que celle qu'on a eue en oh saison 8 Oh, bah ça <laughs> Drop the mic Chris est en forme, effectivement, il est clairement raison. <laughs> Alors Babar dit euh, qu'il n'est pas présenté comme, per comme personnel principal, mais euh, après elle dit, enfin pas pour la oh. saison 1 oh, en tout cas, et effectivement ouais, en mais... saison 1, il ne sera pas un personnage principal. Euh, il sera un personnage secondaire très important par la suite. Pour l'instant, dans la première saison, clairement ce ne sera pas... Euh, enfin, bon, il... Peut-être. Est-ce qu'on va pas assister à un truc sale, genre, tu sais, ils vont le présenter, machin, tout ça, comme ils avaient fait avec Béric Dondarion, et au final, c'est juste un autre mec qui va le jouer pour oh les, les cinq saisons à venir Ah J'en ah, euh... fait perdre sa webcam, enfin, du coup. Exactement. <laughs> euh, dans ce cas-là, ce serait hyper racoleur, effectivement, de l'avoir annoncé euh, dans ce double rôle pour, au final, le remplacer par quelqu'un d'autre. Mais bon. Non, en fait, mais je pense ah, quand même que, justement, non, ne serait-ce qu'un qu double rôle, c'est dur. dur c'est pas facile de jouer un double rôle il faut quand même donner une personnalité très différente à deux euh, par son jeu par son par sa prestance euh, je pense que c'est pas facile que du coup ils ont fait un casting euh, aux petits oignons pour euh, pour vraiment bah. réfléchir à leur truc. Et puis je pense qu'il y a un espèce de truc. Ouais, enfin et puis l'avantage de caster, hein, entre guillemets, un petit acteur, parce c'est quand même un petit acteur, c'est que bah, je te disais déjà il joue deux rôles, donc il y a quand même deux fois plus de temps d'écran. Et euh, enfin pas deux fois plus, mais en tout cas ça ça rallonge et en même temps il est euh, il va être là pour un long moment donc prendre quelqu'un de pas trop cher <laughs> c'est quand même plutôt quitte à lui augmenter son cachet c'est quand même plutôt intelligent on va dire dans la manière de gérer sa série. Alors, puis moi je trouve ça appréciable Après... parce qu'il est blond alors euh, sachez que pendant trois saisons au moins je n'en pouvais plus de Lena aider, donc qui jouait Cersei dans la... parce que je suis désolée, hein, mais euh, elle n'est pas blonde, et ça se voyait avec sa fichue perruque blonde et ses, et ses sourcils bruns, et ça m'a agacée, j'ai mis, mis trois saisons à m'y habituer, donc voilà, au moins, ils ont pris un blond pour un... ou alors, enfin, euh, ils auraient pu au moins lui tendre les, les sourcils, quoi. Comment ça, Daenerys, elle n'avait pas les cheveux blancs En vrai <laughs> que... Non mais bon, la teinture, ça existe aussi pour les sourcils. <laughs> On avait tu tu le fais, par de... Cette... De... Tu fais, de fais partie de là, cette catégorie de personnes qui dit sourcils et ça, je trouve ça plutôt amusant. <laughs> tu dévis, tu dévies, à nouveau. Moi, <laughs> bon, on m'a fait venir pour ça. Pour dévier, oui. Tout à fait. <laughs> et c'est là qu'on en, enchaîne sur euh, ce monsieur qu'on espère pas déviant. Attention transition. Wow Ça <laughs> sort de nulle part, mais d'accord. Et donc, oui. euh, donc lui, c'est Maître Mélos, et, euh, et donc, il est interprété par David Horowitz, euh, qui, lui aussi, est un habitué euh, de la BBC. Un routard de la BBC, ouais. Pareil, de genre de tronche qu'on a vu un peu partout, je pense. Je vais essayer de retrouver ces derniers faits d'armes pendant qu'Eridan pendant oh, que, euh, que, pendant, pendant que nous présente le personnage. Eh ben volontiers. Euh, pour moi, m'm Grand Maître Melos, ça va être un amalgame de deux grands maîtres euh, qui sont nommés dans Feu et Sang et qui sont euh, pas spécialement du coup. Enfin, c'était pas spécialement important de le différencier puisque en fait c'est juste un classique. Euh, c'est des mecs qui sont là pour conseiller, pour soigner, pour euh, faire des trucs de grands maître, conspirer contre le pouvoir sans que ça en ait l'air. Euh, Melos en gros, oui, il va juste servir à ça a priori et à conseiller euh, Viserys. Euh, et un petit peu peut-être hein, là où le personnage pourrait éventuellement être intéressant, c'est que euh, lui, il va jamais prendre parti entre la princesse et la reine. Il va jamais prendre parti ni pour les noirs, ni pour les verts, ni pour Rhaenyra, ni pour Aegon. Donc euh, là où ce sera peut-être intéressant, c'est de voir comment est-ce qu'il va s'en sortir. Euh, pour être la voie de l'apaisement. Mais bon, comme toutes les voies de l'apaisement, au bout d'un moment, elles finissent par s'éteindre. Et lui aussi va finir par mourir à un moment donné. Je me demande s'ils iront jusqu'à le tuer et le remplacer par euh, le grand maître Rhuil, comme ça se passe dans, dans Feu et Sang, ou si euh, il restera juste un grand maître qui va suivre le courant et donc euh, prendre le parti des Verts. On verra. Voilà. Ouais, sachant que c'est un, un acteur qui a fait beaucoup de choses à la BBC, pas mal de Miss Marple et d'Hercule Poirot, et qui du coup euh, euh, c'est aussi un acteur qui a l'habitude des costumes. Il a fait pas mal de, de il a fait une adaptation d'Ivanoé notamment, des choses comme ça. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude, quoi. On sait. Il a fait un, du Shakespeare aussi. C'est ouais, ouais. bah, un de ces acteurs britanniques euh, qui, a, euh, qui a été biberonné à Shakespeare et ouais, qui a fait ouais. euh, plein de, euh, plein de scènes de Shakespeare, bah. Comme Tant d'autres avant lui euh, pour Game of Thrones, hein, de toute bon, façon. Sinon, je je m'excuse pour euh, ma webcam qui, fait des... qui, qui, qui disparaît régulièrement. Mon chat joue avec ma webcam. Voilà, pardon. Non, ah, mais on voit bien que ta webcam a envie de s'enfouir Mais ce regardez, Twitch, hein, il, pa il paraît, que, euh, il paraît que, euh, que les chats ça fait vendre sur internet. Voilà, je vous présente mon chat. <rire> <rire> Likez okay. cette vidéo pour le chat de Marfadora. Regardez comme elle est mignonne. Vous avez débarqué dans le Twitch le plus putaclic de la galaxie. Je vais donc vous présenter mon chat. <laughs> Comme ça, ce sera fait. <laughs> ah, grâce, je n'ai pas de chat à montrer, zut. <laughs> bon, le mien n'était pas très content que je le réveille, hein, mais bon. Ah bah alors la mienne, elle est, elle est pot de colle là, et donc du coup, euh, ah plutôt là. que de l pour l'empêcher de jouer avec ma, ma caméra, voilà. Sinon, vous, sinon je disparais. Désolé. Ouais. <laughs> ben voilà. voilà. C'était la fin de la parenthèse chat. <laughs> et on passe et la à pièce. la par parenthèse écossaise. Voilà. Mais et que de transition, transitions, enfin, magnifique. Et les chats écossais, c'est connu Bah oui. C'est beau, en plus, les chats écossais. Tout à fait. Et donc, du coup, ce monsieur, c'est Graham McTavish, qui va jouer Sir Harold Westerling. Ouais, bah, Graham McTavish, je pense que les gens le connaissent un peu. Euh, maintenant, c'est plus vraiment un inconnu. Ça l'était peut-être il y a 5-6 ans. Euh, il y a 10 ans peut-être maintenant. Oh putain, c'était il y a 10 ans le Hobbit quasiment. Ouais. Euh, donc on l'a surtout découvert ouais, avec le Hobbit euh, quand il a joué... Euh, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Douala. Euh, et euh, derrière, il a été surtout connu pour avoir joué dans Outlander euh, pendant deux saisons. Donc tu sens le mec qui sait, qui sait aussi se libérer de ses contrats. Genre je vais prendre un rôle, mais qui ne dure pas trop longtemps, tu vois. <laughs> Comme ça, je peux partir et faire d'autres choses. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui a une voix notamment parce qu'on va le retrouver dans pas mal de d'animes aussi parce que c'est un mec qui roule les airs comme pas deux. Il a son petit son petit fan club à lui. Il hein. euh, y a des gens euh, des, des gens qui le trouvent assez euh, sexy en kilt. Donc euh, du coup, euh, je sais qu'il y a des pages entières sur l'internet <laughs> qui existent avec lui. Oui, j'ai bossé mon Twitch. <laughs> c'est bien. Et surtout, on le retrouvera euh, chez Netflix, donc à la concurrence, dans le rôle de Jigstra pour The Witcher. Oh donc, oui euh, Voilà <laughs> J'attendais de la Kaville. placer C'était le point Henri Cavill. Non, mais décidément, il y a tout dans ce Twitch, c'est incroyable. On ouais, la faire eh. une grille, tiens. Ouais, c'est ça, un Bingot. Un Bingot, exactement. Ou un, 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 un bingo. Je sais pas comment un on Un euh, voilà. Et euh, mais non, mais on l'a vu dans pas mal de choses. Et du coup, euh, voilà, c'est quelqu'un que, qui, qui est assez connu maintenant dans le, dans le monde de la série et du cinéma. Donc, un euh, casting plutôt intelligent. Après, je ne sais pas exactement qui il joue. Donc, je vais me remettre à Eridan pour expliquer qui est ce personnage. Euh, <laughs> il est préparé alors, ce tweet. Il hein. est deux ou trois fois. Il est mentionné deux ou trois fois dans les bouquins, je crois. Euh, C'est ouais. un personnage qui a un très gros rôle parce qu'à un moment donné, il devient l'ordre commandant de la garde royale et à un moment donné, il meurt. Voilà. Bon, euh, bah voilà. si je peux préciser, un peu plus... Harold Westerling, <laughs> on me demande sur, le, sur le chat, j'ai dû le lire trop vite, mais c'est Harold ouais. Westerling. Donc, uh, Westrelin, Westre uh, la famille de Westre Jane Westrelin. La, la... <laughs> Vous savez, la famille de Jane Westrelin, celle qui n'était pas dans Game of Thrones. Celle qui n'était pas dans Game of Thrones, <laughs> mais qu'on connaît très bien, nous, dans, le, dans, dans les livres, puisque c'est la, la future femme de, euh, de Rob. Donc, c'est un, un ancêtre... Euh... Euh, pour être un petit peu plus. quand même pour rentrer un peu plus dans les détails sur son rôle à lui, mais on en a déjà parlé lors du précédent Twitch, euh, ça va être très certainement un peu le bariste Selmy de, de la saison 1 de, de House of the Dragon, sauf que, bah, il est censé mourir dès la fin de la saison 1 ou dans la saison 2 pour laisser la place à Kristen Cole, donc le faiseur de roi qui va avoir une très grande influence sur le déclenchement. Entre autres, de la danse des dragons. Donc voilà, on, vraiment typiquement, on ramène un, un mec un peu connu pour euh, pour, pour pour capter de l'audimat et en même temps, on garde pas trop longtemps non plus quoi. Après, je trouve ça surprenant de de caster un Écossais pour euh, un mec qui est censé venir des, des terres de l'Ouest. Mais bon, pourquoi pas. Hein, euh... Et ouais, puis on sait pas, euh... ça se trouve dans le canon de la série, comme les Westerlin n'avaient pas encore été euh, introduits, euh, ils viendront d'on sait pas trop quoi, on sait pas trop où, à un endroit où on roule les airs. La West Coast finalement. Certainement. <laughs> non mais bon, euh, ouais. c'est euh, un choix curieux, d'autant plus curieux qu'il y avait pas mal de gens qui le voyaient bien, euh, faire un Kraken Stark ou des, jeux, des choses comme ça, vraiment euh, aller jouer des, des mecs venus du Nord quoi. Ouais, mais euh, du coup, Cregan, lui, là, je pense qu'il arrivera plus tard, pour le coup. Euh... Et puis, il est censé... Être ouais, et puis, plus à mon avis, ça. Ouais, ouais. Et puis, à mon avis, ils vont aller caster un... Quelqu ouais, mais tu vois, on aurait pu l'avoir peut-être dans un seigneur nordi... nordien, j'allais dire nordique. Euh, nordien assez, euh, tu vois, pas forcément euh, connu, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est curieux de le voir jouer. Un... Peut-être qu'il cherchait à le caser absolument, qu'il l'avait contacté, et puis voilà. C'est possible. Non, possible. mais après, euh, après, ça peut être aussi le, euh, le, le Shenbin, Bean slash Ned Stark de la saison 1. C'est-à-dire qu'on va s'attacher à lui, il, a, il sera noble, il sera un grand homme, il sera opposé probablement à Kristen Cole, Kristen Cole qui a quand même un gros rôle aussi euh, dans la jeunesse de Rhaenyra, puisque euh, euh, donc Kristen Cole et ont aurait ou n'aurait pas eu une relation. Alors pour le coup, ça c'est, il euh, y, y a des hypothèses concurrentes dans le livre. On ne sait absolument pas laquelle a été la vraie. Dans certaines sources, euh, Kriston était fou amoureux de Raenira. Dans d'autres, c'était Raenira qui était folle amoureuse de Kriston. Euh, dans... et en fait, il se trouve que euh, à la fin de euh, enfin, à la mort de, v de Viserys c'est Criston qui aura le, choix de... enfin, le 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 rôle décisif de couronner Aegon, le demi-frère de Rhaenyra à la place de Rhaenyra euh, et donc c'est ça qui lance la danse des dragons. Et beaucoup disent que c'est par rancœur contre, euh, contre euh, Rainira. Donc, mmh. euh, du coup, cette relation entre Kristen et Rainira sera probablement quelque chose de très importante. Voilà. Et ce mentor, slash, euh, grand homme noble et fort <coughs> et juste et, et, euh, et le vrai chevalier blanc euh, sera probablement très. Euh, Très euh, le vrai pendant de Christian Cole. Euh, qui, euh, ouais. ouais. <laughs> Après, euh, vu les rôles qu'il a tendance à jouer, euh, Graham McTavish, je pense qu'il va, euh, il sera peut-être fort et loyal, mais à mon avis, euh, il va être un peu vénère aussi, parce que c'est un c'est un acteur qui a quand même souvent des rôles de mec euh, T'es pas avec moi, t'es contre moi. Bah écoute, je vais commencer par te mettre une baigne et puis on va en parler un peu, quoi. Donc, euh, <rire> <rire> tu vois, donc ça, ça ouais. peut aussi donner quelque chose d'assez nerveux. Ça peut être intéressant, quoi. Euh, si vraiment il a un rôle très développé, parce que après euh, il n'est peut-être pas là ni pour très longtemps, ni pour euh, euh, ni pour avoir un énorme rôle. Hein, avec, ouais, disons mais que ça, euh, ça, ça les, toutes Alors, les annonces qui ont nom, été faites, ouais. je me dis qu'il y a quand même beaucoup d'intrigues à développer, tu vois, et bah, lui, lui, il y a de la. Il y a des possibilités, on va dire, mais il n'y a pas beaucoup de matière de base pour développer des intrigues autour non, de lui. Non, mais par contre, c'est un, un, un acteur qui vient avec un peu son aura. Euh, tu vois, euh, mmh. c'est un acteur, une fois qu'il est dans le costume, c'est bon, tu pas besoin de. Euh, je pense que tu n'as pas besoin de faire grand-chose pour faire exister le personnage. Il peut même exister par des silences, ce n'est pas un problème, tu vois, parce qu'il a un, un certain charisme et du coup, euh, je pense que ça peut amener des choses intéressantes très vite. Euh, avec, euh, avec peu de peu de temps à l'écran et à la fois euh, vachement enthousiasmer les gens euh, c'est <coughs> un peu je, je prends Oberyn en exemple parce que c'est le seul que j'ai de, de personnage qui est pas là longtemps mais qui est là de manière enthousiasmante bah, je dis pas qu'on va avoir un Oberyn mais euh, c'est euh, c'est quelque chose c'est quelque chose qui est faisable en tout cas avec ce type d'acteur ouais, je pense qu'ils l'ont ils ont casté quand même un mec suffisamment connu qui arrive avec suffisamment de fanbase pour que euh, on le on lui donne quand même vaguement un rôle et euh, qu'on ne le voit pas quatre fois à l'écran et c'est tout quoi. Oui, non, voir. mais d'autant qu'en plus, euh, bon, il avait l'air, je crois à me souvenir que sur la dernière photo flouille, il était à côté d'une charrette d'os calciné. Donc euh, oui, il aura peut-être quand même une certaine influence dans certaines batailles. Euh, et en plus, c'est un acteur, alors c'est une chose qui peut paraître euh, pas très importante, mais c'est un acteur que tu n'as pas besoin de former au combat. Euh, c'est à -dire ah, que tu si. peux lui faire faire des scènes de bataille. Euh, il a déjà euh, fait, euh, <laughs> même si c'était il y a 10 ans, il s'est quand même tapé ses 6 mois d'entraînement pour aller jouer dans le Hobbit. <laughs> Merci pour la photo. Euh, <laughs> transition. Et ah, tu physique. vois, il y, y, y a quand même ce côté c'est un acteur, il a l'habitude de se battre avec une épée. Euh, c'est con à dire, mais euh, sur un temps de préparation de tournage, c'est quand même vachement important. Par rapport, je pense, à un... Matt Smith qui est censé incarner, on va, on va y revenir. À un... Un Diamond qui est quand même un personnage de combattant, mais max Smith, quand la dernière fois qu'on l'a vu se battre, vous avez ouh avec un tournevis sonic <laughs> tu vois donc bon, c'est pas du tout la même c'est pas du tout la même chose quoi. Voilà, ça peut ça, ça peut ça peut avoir un impact dans le dans le choix de casting. Enfin ouais, quitte à faire, je préfère le tournevis Sonic à noirceur perso, mais bon. <laughs> Alors. Ben sinon on va passer au dernier qui a été annoncé tout récemment <laughs> on a gardé le meilleur pour la fin <laughs> non le me les meilleurs arrivent ensuite enfin, les meilleurs pas forcément les meilleurs quand même c'est vexant pour les autres mais euh, on, en a, on, on va aussi parler du casting principal après ces annonces euh, là c'était les sept les, 7, euh, les 7 mecs qui ont été annoncés récemment d'ailleurs euh, une annonce c'est que des ultra, mecs hein. voilà ultra masculine euh, ça a fait jaser sur les réseaux sociaux euh, un peu à raison, parce que quand même, ça, ils auraient quand même pu au moins trouver une ou deux actrices pour, pour contrebalancer un peu. Après, mais Après, euh, après ils voilà. après, après, avaient déjà annoncé les deux jeunes filles en, dans les rôles d'Alicent et, et Rainy jeune en package aussi et là je me demande si c'est pas un package à cause oui. des photos floues euh, genre euh, ah on a tourné des scènes de bagarre du coup il y a plein de gens qui se sont baladés en armure du coup euh, bah en l'occurrence dans l'univers de Game of Thrones c'est plutôt les hommes qui sont en armure donc on a une annonce essentiellement masculine oh, je sais pas c'est pas forcément je... une raison hein, mais je me dis euh, ça ça peut quoi je pense plutôt qu'ils essayent de faire des annonces assez assez cohérentes, assez thématiques. là justement la cohérence elle se trouve dans le fait que il bah, y a la famille fort et surtout y a tout le lot des courtisans tout le lot des gens qui vont venir former le conseil restreint euh, en vue de la danse des dragons quoi justement et oui du coup c'est que des hommes parce que dans le conseil restreint il bah, n'y a que des hommes euh, à la limite on peut penser qu'on aura un casting un peu plus varié pour le coup oui un peu plus varié quand il y aura les vraies annonces officielles autour de toute la famille Velaryon parce que pour le moment en officiel on a Corlys on a Rhaenys on a vu des photos passées avec euh, euh, Geoffrey Lombec, avec euh, Lainor, euh, Il y en a même une de L'Aena, finalement. J'ai fini par découvrir ça cette semaine. Enfin, Baba m'a fait découvrir ça cette semaine. Euh, pareil, on a vu euh, sur les photos floues euh, un mec, euh, pour le moment, anonyme, euh, euh, qui est lui aussi dans la famille Vélarion. Alors, est-ce qu'il sera important ou pas On n'en sait rien, ça, pour le moment. Mais euh, voilà, je pense que... Une prochaine annonce officielle apportera peut-être plus de variété. Là, pour le moment, vu la cohérence du truc, c'est assez logique d'avoir eu cette annonce très très masculine. Ça ne veut pas dire pour autant que ce sera le, le noyau dur, tu vois, du casting et des intrigues qu'on verra. Non mais, contre, rapporte, ce, non, mais par contre, sur ce dernier casting, ce qui est intéressant de noter, c'est que, bah, au-delà de, 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 de cet homme qui a un peu la... La tête d'un Michael Caine de Teloche, un peu, quoi, quand même. Exactement. Euh, c'est quelqu'un qui a déjà joué avec Graham McTavish, ouais. dans Outlander notamment. Et du coup, euh, je pense que le... c'est pas complètement anodin non plus. Bon, ça fait peut-être partie des. Lui aussi, c'est un espèce de routard de la BBC aussi. Peut-être partie de tout ce qui est Shakespeare et compagnie. Donc, euh, ça fait peut-être partie des rares acteurs de... britanniques qui n'avaient pas encore joué dans Game of Thrones. Il est là, quoi. <rire> voilà. <rire> Alors juste, euh, de... tout à l'heure, on a mentionné Laena. Euh, et est-ce nous demande qui est Laena euh, Donc Laena, c'est la sœur de Valar... Valar... Valarion, la velarion. De... <laughs> Ces gens ont tellement d'imagination. pour ouais. les prénoms de leurs enfants, c'est fort. Brandon et Brenda, version Velaryon. quoi. <laughs> euh, euh, voilà. Du coup, euh, donc Lainor, il va être marié à Rhaenyra. Euh, néanmoins... Il est de notoriété publique euh, qu'il préfère les, les, les hommes. Euh, C'est en partie pour ça que euh, qui, que, euh, que euh, Rhaenyra se tournera vers vers euh, Arwin. Euh, le mec qu'on a vu tout à l'heure euh, pour, euh, pour, euh, bah, pour passer un peu de temps parce enfants. que clairement il clairement c'est pas avec l'énorme que ça va marcher Elena, la de, euh, euh, et Laina c'est la sœur de Léonore et donc la fille de Corlys et Rhaenys et euh, bah, euh, c'est une fille qui est euh, une dragonnière qui a euh, franchement euh, du punch et tout elle est super cool sauf qu'elle meurt hyper jeune euh, et donc euh, voilà son destin est brisé assez vite ouais. peut-être préciser quand même que c'est aussi enfin euh, c'est aussi br assez brièvement ouais. mais quand même euh, une des épouses de, de Diamond Targaryen donc le prince <laughs> vaurien Ça a sa petite importance aussi mais on va peut-être revenir sur le personnage euh, dont on a la photo oui, en fait. oui. et oui euh, et donc ce monsieur qui s'appelle Bill Patterson euh, va jouer l'Iman des essains, qui est le seigneur de Mielbois et euh, qui est le grand argenté de, de Viserys. Chris, tu veux nous en parler <rire> <rire> Alors, les des essains, moi, euh, c'est une famille, j'aime beaucoup. Du... Il paraît qu'ils font du miel. Mais euh, <laughs> voilà, c'est dans le monde de leur château. Euh, voilà, non, mais après moi j'ai des souvenirs brouillés de jeux de rôle et de GM du coup euh, je te dirais que c'est des traîtres qui tendance à préférer les feux noirs, mais je crois qu'on n'est pas à la bonne époque. Euh, non, effectivement. <laughs> non, mais c'est son fils, non, non c'est son... un... un ancêtre qui fait des paris euh, chelous avec, euh, avec une des filles de, euh, de Jairis c'est pas c'est pas un des si, effectivement si c'est un désessin qui va se faire appeler le dard et qui va euh, peut-être ou peut-être pas prendre la virginité euh, d'une des filles de Jairis et ça passe pas très très bien auprès du papa qui n'est pas très content mais mmh. bref et donc l'Iman, euh, euh, bah, c'est oui. un mec de la famille euh, un peu plus tard, après ce, ce, ce monsieur euh, Le Dard. Mm. Exactement. <laughs> Tout à programme. <laughs> euh, oui, c'est alors lui aussi, il a été grand argentier d'abord de, de Jaeris. Euh, à un moment donné, Daimon venait censé devenir grand argentier de son frère, mais au final, très vite, euh, il se fait jarter. Et euh, Liman redevient apparemment grand argentier sur toute la durée du règne de Viserys. C'est le censé être le doyen de, du petit groupe de, du conseil restreint. Et c'est le seul mec du conseil restreint qui. Euh, que Viserys va mourir va dire qu'elle ah, allait être réunira la reine en fait c'est à dire que moi je suis pas trop bien d'accord en plus j'ai prêté des serments tout ça machin et puis d'abord le roi il avait dit ce serait elle et bah quand t'es le seul à tenir ce discours là et qu'on fasse ta Kristen Cole ça se termine pas très très bien pour toi généralement voilà je n'en dis pas plus mais euh, ça va très bien coller avec ce type de, de mec parce que c'est vraiment un mec qui a une... quand je disais que c'est un Michael Kane de Teloche, je dis ça sans que ce soit euh, péjoratif hein, c'est vraiment euh, il a la même vibe de voix et de jeu qu'un Michael Kane et du coup je pense que ça va ça va vraiment être sympa dans ces moments de de dialogue quoi. Ouais, bah c'est ça, c'est les mecs qui ont de la bouteille, qui ont, euh, qui ont, joué, euh, qui ont joué dans tous les téléfilms tous les de la BBC, dans, tout, dans toutes les pièces de Shakespeare euh, que tu peux imaginer, qui ont une présence, un charisme a... de fou, un, une expérience de fou et qui savent, euh, qui savent, faire, euh, qui savent ouais. faire leur job. Quoi. Tu vois, j'avais un peu peur euh, au niveau des castings qui étaient annoncés, qu'on ait un casting euh, un peu de. Parce que ça tend à être un peu nivelé par ça maintenant, malheureusement. Je trouve un casting de jeunes premiers, tu sais. Et je suis content de voir qu'on a un casting de gueule, quand même, de personnages qui ont des tronches. Et, Et je trouve que ça apporte à l'univers, ça le, ça, le, ça le rend un peu plus vrai, finalement. Il n'est pas lisse, quoi, mais du coup, c'est cool. Je pense qu'en euh, termes de gueule, euh... je pense Pardon. que limite, on peut passer directement sur Matt Smith. Parce que pour moi, c'est <laughs> un peu le, la démonstration que, ouais, on a un casting qui est un casting plutôt de gueule que de. Euh, Enfin, et, et certes, Matt Smith, il a une certaine aura, il, a, il, a une vraie, euh, enfin, il est connu, euh, il a, il a un, une, 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 euh, une expérience certaine, mais euh, c'est pas forcément le mec que tu t'imaginais en premier pour jouer Damon Et enfin, euh, mmh. moi aussi, ça, m'a, ça, ça, ça intrigué sur, la, sur, le, sur le, casting aussi principal de la, de la série, quoi. Mmh. Ah ouais, c'est super euh, étrange comme choix Matt Smith. Bon, aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui on s'y est habitué, mais quand ils l'ont annoncé, au début on était tous là. <laughs> Quoi <laughs> Pardon, je crois qu'il y a une erreur. Vous avez dû vous tromper sur la ligne. Il n'a pas du tout été casté pour ça. Ça doit être lui, Corliss rayon finalement. Et, euh... <laughs> Et du coup, euh... non, 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 non. Et... Mais c'est vachement intéressant parce que c'est quelqu'un qui a prouvé aussi qu'il savait faire des choses assez sombres, je pense, euh, notamment sur The Crown. Hein, le plein... Enfin, moi c'est principalement là que je l'ai vu, sinon euh, je ne vais pas parler des Terminators dans lesquels il a tourné parce que c'est des sombres merdes, mais euh, du coup le, le, côté, euh, ouais, le côté personnage qui a une part d'ombre tout en étant tout en essayant d'être peut-être la meilleure personne possible, c'est quelque chose qui est intéressant à amener en tout cas à Daemon. Si c'est dans cette direction-là que vont les scripts, et en tout cas euh, on va voir comment ça, comment ça s'amène, mais c'est surprenant et j'ai envie de dire euh, pourquoi pas. Franchement, vraiment euh, là-dessus, euh, je suis hyper ouvert, quoi. pas de problème. <laughs> j'ai encore une petite appréhension euh, à ce niveau-là, parce qu'effectivement, c'est très très éloigné de, de la vision que je pouvais avoir de Daemon. Maintenant, euh, bon, c'est un acteur que j'apprécie, euh, et effectivement, j'ai pas de doute sur ses qualités en tant qu'acteur, donc il euh, y a moyen, il y a moyen. Il faut voir ce que ça va donner, il faut voir ce que ça va rendre. Ouais, moi ça me, ça m'a beaucoup surpris aussi. Bon, voilà, Mais c'est. Euh... et c'est marrant parce que pour moi, moi je l'ai uniquement vu dans euh... dans le dans Doctor Who et donc du coup Doctor Who, il a quand même ce côté juvénile et, et une innocence. Euh... Enfin, moi je trouve qu'il il, il, il a plus d'innocence par rapport euh, par rapport à, à ceux qui viennent après. Il a il a un petit côté euh, très ouais très innocent qui qui fait que du coup avec de, avec Damon c'est totalement l'inverse et, et je suis assez curieuse. Quoi. Ouais, après, Doctor Who, c'était il y a 10 ans quasiment. Voilà, ça. Coup, ah, ça. Euh, donc est du ça. coup, il n'est plus ça. si jeune que ça. Et il n'a plus du tout la même... Enfin, euh, c'était un jeune premier, quoi, dans ouais. Doctor Who. Aujourd'hui, euh, il, il, il a passé un cap, je pense. Parce qu'à l'année prochaine, il aura quand même 40 ans. Ouais, ouais, non, et, dans, <laughs> et comme vous dites, c'est le prince Philippe, il me semble, dans, dans The Crown. Ouais, qui, euh, et qui ça... a un rôle a priori nettement plus, enfin de ce que j'en ai lu puisque je n'ai pas vu la série, c'est un rôle qui est nettement plus intrigant et sombre. Mm. Ouais, 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 bah notamment euh, début de saison 2 de The Crown où il tourne, c'est euh, j'avais trouvé ça vachement chouette parce que dans la première saison il subit un peu le, le règne de, 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 enfin le fait d'être le conjoint de la reine quoi, et dans la saison 2 il y a un truc de ah j'ai envie de m'en détacher ouais. et je fais pas forcément les bons choix et du coup ah, peut-être quelque chose qui est intéressant à amener dans dans... Là-dedans, quoi. Enfin, voilà. Et donc, là, sur la photo, il est face à Emma Darcy qui sera dans le rôle de Rainira. Euh, pour le coup, elle euh, bah, elle n'a pas forcément un CV d'acteur euh, hyper, euh, hyper connu, donc on n'a pas trop pu la voir dans grand-chose. Moi, Mais... ouais, je l'ai vu dans un truc. Voilà. Ouais, je l'ai vu dans *True Seekers, qui est une série euh, de 2020, où elle joue avec euh, Nick Frost et Simon Pegg. En fait, c est, c est, en gros, c'est euh, bon, des mecs qui font du. Merde, j'ai perdu le mot. Euh, qui cherchent des fantômes et des trucs paranormaux et des machins comme ça en étant des youtubeurs. Merde, <laughs> j'ai plus du tout le mot. Enfin euh, bref, voilà. Donc ils font ça. Le et, chat, si euh... vous retrouvez le mot, est décrit. Ouais, c'est ça. <laughs> Euh, de l'urbex et des trucs comme ça voilà c'est euh, dans ce style là et euh, du coup euh, bah voilà c'est une mini série euh, qui est assez dans le ton de tout ce qui avait été fait sur Shaun of the Dead et tout ça et euh, bah en fait elle elle a le rôle féminin principal euh, à côté de Nick Frost justement et je trouve que c'est assez cool parce que faut enfin faut pas avoir peur d'y aller quand t'es en face de Nick Frost <laughs> prendre <de> la place <laughs> et euh, du coup euh, non non franchement euh curieux de voir ce que ça va donner sur un rôle sérieux parce que pour le coup là on était sur de la comédie mais aussi avec des moments assez dark je pense que ça ça va être bien voilà oui et puis là on est on est typiquement mm. aussi comme comme ce qu'on disait sur euh, sur l'acteur qui va jouer les jumeaux lannister on est sur une jeune première euh, mm. qui, euh, bah, qui va être là pour longtemps euh, sur lequel ils ont dû soigner leur casting parce que c'est quand même leur tête d'affiche euh, mais c'est un peu le... C'est un peu leur, leur emilia leur emilia clark, ouais, euh, dont on clark. Espère que... ouais. sauf qu'ils la choisissent un peu plus vieille déjà donc peut-être que euh, peut-être qu'elle a un peu plus de, de, de bouteilles derrière en tout cas, euh, cas j'espère qu'ils ne réitéreront pas les erreurs qu'ils ont fait avec emilia clark mais, euh... Euh, sachant que bon emilia clark si elle est bien dirigée elle arrive Exactement. quand même à jouer certaines choses hein, quand même euh, la direction d'acteur dans Game of Thrones est peut-être aussi à mettre en question oui. dans euh, certains ressentis d'échec qu'on a pu avoir face à certaines scènes particulièrement mal écrites. Je ne citerai rien pour ne pas me insulter, quoi que ce soit, qui que ce soit, mais voilà. Non, mais non, justement, euh, moi, Emilia Clarke, dans la dernière saison, je, je l'ai trouvée excellente. Je pense par exemple. Que, je, et je pense qu'elle a du coup été peut-être un peu mieux dirigée ou en tout cas, elle-même, euh, hum. a avait vraiment compris son rôle l'ampleur de son rôle et, et, et s'est c'est plus imposé peut-être mais en tout cas dans la dernière saison oui c'est elle est au top quoi c'est pas Kit Harington quoi <rire> non, <rire> bah, et puis, après, Emilia Clarke avait aussi un truc que n'auront pas les personnages. Je pense là, c'est cette intrigue, c'est au reste déjà, euh, qui fait que souvent tu dissocies un peu tout. Alors que là, je pense qu'on aura quelque chose de beaucoup plus homogène en termes d'histoire. Et euh, je ne pense pas qu'on va les entendre parler en, en, dans, dans différents langages dans la série, tu vois. Je pense que toute la partie au euh, Valyrien, euh, que tout ça qui existait vraiment dans Game of Thrones et qui participait au world-building, ça va arriver peut-être, mais on en aura beaucoup moins. Et, on aura... et le fait de tourner dans ta langue euh, native, euh, c'est quand même... Quelque chose qui est quand même plus simple que de tourner avec de la phonétique aussi. Alors, il me semble, j'ai peur de dire une bêtise, donc corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'ils ont réengagé un linguiste. Ouais, pour et... les Valérien, c'est tout voilà, ce un, je sur Je pense que un... les Targaryens vont finir par parler au Valérien à un moment donné. Euh, non, mais je ne sais pas pro... lesquels, mais. Ils vont probablement le faire, mais dans des proportions moindres que ce que Emilia Clark ouais. a eu à subir, ouais. quand même, en termes de. Parce qu'elle, elle n'a elle pas fait que le Valérien, tu vois. Elle a fait le Dothrak, elle a fait le Kiskari, enfin, il y a eu tous les. 50 nuances de langage finalement. Oui et puis elle a... avait aussi un personnage qui évoluait terriblement entre la saison 1 et la saison et la dernière saison. Il, il fallait du coup euh, une actrice qui jouait à la fois à la fragilité de la petite Daenerys qui savait pas où elle était au tout au tout début et une qui prenait de l'ampleur etc. Et c'est un rôle qui est très difficile. Euh, là, la Rhaenyra adulte. Euh... C'est plus un rôle à la Cersei oui, euh, qui, exactement. du coup, sera plus linéaire et euh, en tout cas euh, plus défini en termes de ce qu'on te demande euh, dans ton jeu. Je pense que dès le début, ils savaient où ils allaient avec, euh, avec Rhaenyra et ils savaient mmh. quoi, de, quoi chercher chez l'actrice. Ce qui qu pas le cas pour euh, et Emilia Clarke. Puis, puis elle a un physique un peu, un peu étrange, cette actrice, enfin pour l'avoir vue jouer. Du coup, je pense que ça va apporter une dose de chelou à Rainy mais comme Matt ça apporte une dose de chelou à Daemon aussi. Tu vois. Mm. Et je trouve que c'est pas mal parce qu'on va un peu à contre-pied de l'iconisation euh, des ouais. vois, pour le coup. Mm. Euh, et euh, ça, je trouve ça vachement intéressant de dire, tu sais, parce que comme quand tu lis Feu et Sang et que tu n'as que le récit finalement des. Des nobles euh, et des targues, du coup, euh, ta... enfin des targues, en tout cas des gens qui ont écrit sur les targues, il y a toujours une dimension un peu admirative euh, et un peu euh, enjolivée, je pense, de, de ce qu'ils sont vraiment. Le fait de mettre une caméra dessus, ça te permet d'avoir des choses qui sont euh, Ah, ces... ces personnages sont étranges et peut-être que physiquement ils le portent un peu et je pense que ça va être euh, intéressant, en tout cas pour ces deux-là, quoi. Après, personnellement, les commentaires que j'ai lus jusqu'à présent sur Emma Dart ici remettent beaucoup en cause le choix du casting. C'est l'un une, une, des castes qui a été les plus critiqués, il me semble. Euh... <laughs> je crois qu'on en a un autre qui arrive bientôt. <laughs> je vois pas de quoi tu parles. Je, je, je suis étranger à ce genre de, de polémique. Euh... À voir. Moi, j'ai encore une fois, je, je préfère toujours attendre de, de voir la série pour euh, évaluer vraiment ce que ça vaut. Donc, euh... ah ouais. Ouais. Ah ouais, tu dis ça alors que t'as pas peur de commenter des photos floues, franchement. <laughs> oui, ouais, parce que quand même, rappelons euh, des fois que, mais les photos, les photos qu'on voit, euh, ça reste des photos qui ne sont donc du coup pas produites, euh, qui vont, il va y avoir un étalonnage, il va y avoir des, des effets spéciaux derrière, etc. Donc, toutes les photos qu'on a commentées la semaine dernière, euh, ben bah, euh, bah euh, entre Faut ce qu qu'on. Il faudra le voir porter, il faudra le voir à l'écran. Il y a, y a toute une, tout un changement des lumières, etc., qui fera que, euh, bah, ouais, de temps en temps, tu as un peu l'impression que ça fait un peu, un, un peu pitié, mais sauf que finalement, quand tu rajoutes euh, toute la post-prod derrière, ça peut, euh, ça peut donner quelque chose de vachement plus stylé. Mais même au-delà de ça, je pense que les photos, elles sont extrêmement trompeuses, parce qu'en fait, des, comme tu dis, c'est des photos volées, donc le cadre de ce qu'elle montre, ce n'est pas du tout le même que le cadre que la caméra euh, de la série va venir capturer. Euh, on voit les choses sous un certain angle, qui est un angle volé et un angle qui est généralement... Bah, très éloigné, pas forcément okay. très intéressant. C'est l'angle du côté paradis L'intérêt, voilà, c'est d'avoir l'info, pas forcément la photo. Exactement, quoi. Donc, tout, bon, tout à fait. Donc, à voir une fois qu'il y aura eu déjà le, la réflexion sur le cadrage, la, le jeu des acteurs, qu'on ne peut pas deviner à partir de photos ou d'un casting, ah. euh, du et coup, la post-prod. Bah, du coup, je pense que les trois photos officielles qui ont été montrées sont peut-être plus proches. Bah, de toute façon, c'est la vision de ce que HBO veut bien montrer de la série pour l'instant. Donc, c'est la seule exactement. chose qu'on a. Euh, c'est ce qu'il y a de plus proche du rendu final à l'heure actuelle quoi, tant qu'on n'a pas une bande ah, annonce je veux dire. Après je pense quand même que là ils en sont encore au début et ils tâtonnent sur leur communication et peut-être que les photos suivantes seront encore plus représentatives de, de, de ce qu'on verra euh, à l'écran là les premières photos officielles moi je les ai trouvées un petit peu moyennes je dois dire elles m'ont pas particulièrement emballé pas particulièrement déçu non plus euh, c'est juste ouais, un début de communication, quoi, on va dire. C'est là aussi où je pense qu'ils sont un peu euh, forcés, mais euh, d'un autre côté, ils le veulent bien d'être forcés, euh, parce que, pareil, ces, ces photos-là de Daemon et, et Rhaenyra, on les avait vues avant euh, sous des angles un peu dégueux euh, de photos volées, oui. euh, parce qu'en fait, euh, bah, du coup, vu qu'ils choisissent de tourner en décor naturel et que, contrairement à ce qu'ils ont fait avec Game of Thrones, ils, euh, ils ne verrouillent pas euh, à fond leur, euh, leurs images on peut prendre beaucoup de photos volées mais du coup bah, ils sont ils sont euh, je pense que ils jouent ils en jouent et ils, ils ont bien besoin. sûr ils, euh, sont pas dupes. ils veulent créer le, ils veulent créer un buzz avec ça bien sûr euh, et la preuve bah, nous on en parle c'est bien c'est ce qu'ils veulent qu'on en parle que ça marche et, euh, et ça, ça intéresse des gens ma foi et, euh, et tant mieux mais donc euh, c'est dans leur jeu mais euh, je pense que euh, du coup euh, bah là, pour, par exemple, les photos officielles, ils ont été aussi euh, un peu forcés bah, de, du coup, montrer un peu ce que, eux, leur vision donnerait après, quoi. C'est le jeu aussi. bah, bar, bah bar dit qu'il faut qu'ils rattrapent leur retard sur Marvel et The Witcher. Je ne suis pas tout à fait d'accord, dans le sens où on a eu un très bel exemple, il n'y a pas très longtemps, de promo euh, où c'était genre, il n'y avait rien avant, et d'un coup, il y a eu ça. C'était la bande-annonce de Matrix 4. Donc, euh, je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin du Dix, pour euh, enfin de des fuites pour faire de la promo et je suis pas convaincu qu'on ait besoin de s'appuyer sur les rumeurs pour faire de la promo. On peut aussi euh, rien dire et à un moment balancer ce qu'on a. Ça peut aussi être une façon d'avoir des couilles. Enfin bon, voilà. La... <laughs> Après euh, euh, on va pas se mentir sur une série comme Game of Thrones qui a quand même une hmm. habitude de leaks depuis des, des saisons et des saisons, c'est pratiquement un sport olympique les leaks sur Game of Thrones, faut être honnête. Donc les producteurs savent très bien euh, qu'il y aura des leaks, c'est à la fois une chance pour eux et une malédiction dans un sens, euh, ça leur permet de faire de la promo à très bas coût, euh, là aussi il faut s'en rendre compte, donc à, à, à mon avis oui c'est à la fois anticipé euh, par, les, par les producteurs, ils l'anticipent totalement et... Euh, en même temps, oui, ils se prêtent au jeu. À partir du moment où les leaks se sortent, ils commencent à faire des annonces un peu plus officielles sur les castings, par exemple. Euh... Ouais, bah, bah, voilà. Après... L'important, c'est comme disait Ninfa, l'important, c'est juste qu'on parle de la série et de créer de l'attente autour de la série, finalement. Et surtout ouais, que, vu bah, la déception après... de la dernière saison de Game of Thrones, euh, créer une attente, c'est pas facile, je pense, parce qu'ils ont quand, ouais, quand même un ouais, sacré je... défi. Hein il y a un gros luxe qui est que par rapport à Game of Thrones euh, déjà on rejoue dans la même dans le même univers et puis en plus euh, l'histoire est déjà racontée donc euh... elle a déjà écrite cette fois vous aurez la fin ouais, ça, si tu veux la fin tu vas prendre le bouquin donc du coup c'est pas, enfin, <laughs> pas alors par contre vous risquez d'être déçu si vous vous attendiez à la fin, la fin, les gars. Vous aurez la fin de la danse, mais vous n'aurez pas la fin, la fin mot de l'histoire. Non, mais bon, voilà, il y a des, des trucs. Euh, je, je pense qu'on n'est pas du tout sur le même type d'enjeu. Après, je disais Matrix parce que c'est la preuve que tu peux, euh, peux s'enverrouiller, euh, juste pas faire attention et à un moment avoir quand même assez de matos sous le coude pour pouvoir assumer ta promo. Ouais, mais Matrix, c'est voilà. pas l'aura de Game of chose. Thrones. Hein. Enfin, c'est le, 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 surtout pas l'aura de House of the Dragons, euh, spin-off de Game of Thrones, série qui a raté sa dernière saison. Matrix, bah, Matrix, euh, bah, ma Matrix, avait, Matrix 2, 2 et 3, je pense c'est pas spécialement réussi sa fin non plus. Donc, ah tu vois, ouais, non, clairement, c'est vrai. C'est plus <laughs> dégueu comme parallèle. Ouais, c'est vrai c'est vrai <laughs> que, que le 2 et le du... 3, mon dieu. Les ouais. gens qui sont sortis du 3ème Matrix en disant oh putain, la purge, il euh, y en avait quand même quelques-uns. Ah ouais, euh, ouais euh, pas que quelques-uns. Bah... Oui, oui, oui. enfin, moi, j'en fais partie. Après, ah. là, hein, on parle quand même d'une série de films et t'as la nostalgie qui joue largement plus que sur Game of Thrones qui est terminée depuis à peine 3 ans. Non, mais c'est la différence entre faire Camelot. Dans la foulée de la saison 6 et faire qu'elle note 12 ans plus tard. Hein. Tu n'es pas du tout sur le même registre. Enfin bon, bref, on sort du débat. On n'est pas on du tout la... en train de défier. <laughs> <Si, rire> si, si. Bon, allez, on passe à la prochaine, <laughs> la prochaine photo. <laughs> et donc là, on est sur les Hightower. Là... Et, là, et là, tu te dis, putain, je suis Team Hightower quand même. Non, mais ah. là, là, le costume, tellement. il est tellement stylé de, de, de Alicent. Non, mais le, entre le costume et puis euh, Ricey Fans, qui est quand même... Euh, il est juste en photo, et moi, je suis content de le voir. C'est euh, affreux. Non, mais Moi, de toute <laughs> façon, je l'aime d'amour depuis que je l'ai vu dans, dans Notting Hill. Donc voilà, depuis mon adolescence, ouais, je l'aime d'amour. C'est un acteur qui peut faire plein de choses. C'est faire... vachement intéressant. Euh, tu vois euh, Good Morning England, il fait l'espèce de mec taiseux du fond de la classe qui est un peu beau gosse. Tu, 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 tu le vois dans, zut, dans, 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 même dans Harry Potter, quand il jouait le papa de Luna Lovegood. C'est... enfin euh, il peut tout faire cet acteur. Donc il est, est tellement est tout fou, ça. il est génial, il est génial. C'est très, ouais, très très bien qu'il soit je là, je suis, complètement là je suis fan de lui. très très content de, de voir Ricey Fans dans un rôle qui pour le coup est un peu, peut-être à contre-courant de ce qu'il fait d'habitude, parce que pour le coup, le grain de folie chez Ice Tower, <laughs> c'est pas tout à fait ce qu'on recherche. Ouais. Mais... Euh... <laughs> C'est parce qu'on recherche de prime abord. Après, peut-être qu'ils vont faire évoluer le personnage pour l'amener vers quelque chose d'un peu plus construit et plus intéressant. Euh, non, effectivement, de base, c'est le personnage qui est méga sérieux, méga orgueilleux. Euh, c'est Tywin Lannister avec un petit peu moins de pouvoir, en fait. Mais, euh, Il se sert de sa fille pour pouvoir prendre le pouvoir. Mais je, pense que, je pense que là, s'ils si veulent il euh, y, y a une chance que du coup, pour le coup, ils ne suivent pas totalement le livre en mettant une euh, Alicent elle-même beaucoup plus manipulatrice dès le début et moins mmh. pion de son père et un père un peu plus loufoque euh, qui suivrait ouais, ses, alors, même, ses maligances. Ou alors faire un truc très... Euh... Bon, elle se débarrasse quand même pas de son père, mais avoir un truc plus, tu vois, vraiment euh, papa toxique, tu sais. Euh, possible aussi, quoi. Mmh. Alors le psychologue non, non, non. sur le chat dit J'espère qu'ils prendront des libertés par rapport au livre, pas trop, mais un peu sur, sur des choses pas importantes. Euh, effectivement, moi je, pense, je, je, je suis d'accord. Mais De toute façon, ils ne peuvent que prendre des libertés, puisque la façon dont est raconté le livre avec des, des vues divergentes font que bah, il y a des moments où ils vont faire des choix, d'autres moments, euh, peut-être que. Du coup, ils prendront carrément un chemin encore détourné par rapport au, à ce qu'on a dans les, dans les hypothèses du livre. Mmh. On verra bien. Mais euh, l'avantage du livre, c'est quand même qu'il est fait de manière à leur laisser beaucoup de marge de manœuvre, tout en donnant plein de milestones. Ils, ils ont plein de, plein de points pivots pour arriver, mais le chemin entre, le, en, entre ces points pivots, euh, ils peuvent choisir, ils peuvent prendre une direction ou une autre euh, et, euh, et jouer avec leurs acteurs. Il enfin, y, y, uh, y a quand même de la, de la liberté. Ouais. Oui, il y a largement de quoi faire, effectivement, en particulier avec les personnages d'Alicent, de Rhaenyra et de Kristen, euh, où on a des, des relations qui peuvent être tout et n'importe quoi, en fait. Donc euh, là, le, le champ des possibles est large. Moins sur Otto a priori, mais ça n'empêche. Otto peut très bien être à la fois un manipulateur ou un manipulé, parce que finalement, le mec, c'est juste un chevalier qui est devenu main du roi. Alors bon, il a tout un background derrière quand même, le lien avec la famille c'est ses grandes connaissances, tout ce que tu veux, qui fait que c'est un mec qui est compétent et tout et tout. Mais il y, y a des possibilités, on peut vraiment ouvrir sur beaucoup d'autres choses à partir de, de ce postulat de base. Alors, Maître Thibault nous dit bonsoir, bonsoir Maître Thibault, et, et il bonsoir, dit, n'oublions pas que Martine reste en toile de fond pour épauler aux besoins et que, étant donné qu'il a une certaine complicité avec Ryan Condal, il est, il y a fort mmh. à parier que, euh, son implication soit plus importante que pour Game of Thrones au final. Alors moi personnellement, je suis pas totalement convaincu, voire même je suis même convaincu suis... du contraire. Je ne suis, suis pas de son avis, moi je pense que... Je suis... Alors, après, euh... tant mieux, tant mieux qu'il y ait plein d'avis différents, mais moi je pense plutôt qu'il a laissé les clés de la non. maison à quelqu'un avec qui il s'entendait bien mmh. et pareil. du coup avec qui il est sûr que c'est entre de bonnes mains. Je pense que c'est pour ça qu'il y a rien de condamné, mais on oublie un peu souvent qu'il y a Michael, Michael Sapo Sapochnik aussi à côté. Et je pense qu'ils ont fait un choix vraiment de... Il euh, bah, faut que l'auteur soit en confiance parce que c'est ce serait dommage qu'au détour d'une interview, Martine dise euh, c'était pas bien, toi <laughs> aussi. Non et puis surtout, même, si, même si je pense il y a un contrat, tu vois. Surtout Mais... euh, c'est pas, pas Martine en fait ouais. qui c'est pas Martine qui consulte. Euh, dans les faits, c'est euh, c'est Timicale, c'est son assistante. Timicale, ah. elle est elle est créditée euh, sur le guide de la série. Euh, donc, euh, c'est l'assistante éditoriale de Martine, donc elle connaît méga bien son livre. Elle l'a aidé à éditer Feu et Sang. Elle l'a aidé sur, euh, a priori, je crois qu'elle était déjà là euh, sur World of Ice and Fire. Euh, en tout cas, sur Feu et Sang, c'est sûr et certain. Et donc, euh, et elle a bossé avec euh, la writer's room de House of the Dragon. Et donc, du coup, euh, Martine, bah, euh, une fois qu'il sait que son assistante elle est là, il s'en fout. Enfin, tu vois, il a laissé, il a laissé les rênes à quelqu'un qui connaît méga bien l'univers, qui connaît méga bien ce qu'il, qu a voulu faire. Donc, euh, donc, il est en confiance. Ouais. Et puis euh, on dit, on dit condamne, mais une fois de plus, je reviens sur Sapochnik en se disant que, enfin, je, moi, j'estime que Sapochnik, c'est un des trucs les mieux qui soit arrivé à Game of Thrones. Du coup, euh, parce que je trouve qu'il y avait un peu de volonté dans sa manière de filmer par rapport à, à d'autres réalisateurs de commandes qu'on avait sur le truc. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais au moins, je pense que ça aura une patte. J'espère en tout cas que ça aura toujours une patte. Et je pense que c'est ce qu'a a plu à Martine aussi, quelque part. Et donc, euh, Maître Thibault reformule, il dit que c'était plus dans le sens où euh, quand il y a plusieurs points de vue dans le livre, ce soit Martine qui ait chuchoté euh, les clés ah, oui. pour favoriser oui. telle ou telle version. Euh, oui, ça, c'est possible. C'est possible. Après, je pense que ce sera pas le cas pour... Euh, pas, parce qu'il y a tellement de, y a tellement de, de petits événements... Qui sont un peu racontés de manière divergente. Euh, ce ne sera pas le cas pour tous, mais typiquement pour la version, euh, version euh, euh, Rainy à Kristen Cole ou des choses comme ça, des choses plus, euh, plus iconiques, à mon avis, oui, euh, on, a, on a la version que Martine préfère. Après, est-ce que c'est moi... pas la version qu'il préfère parce que la plus télégénique, mais pas forcément... Enfin, voilà, qui... Alors après, ouais, c'est ce que tu dis. Ouais. Moi, je me demande si, euh, dans quel sens, ça pourrait être la version préférée de Martine. Moi, je préférerais que Martine ait dit Ryan Condal, fais ce que tu penses, tu vois. Ce qui serait vachement plus intéressant, <laughs> à mon sens, même d'un point de vue de Ryan Condal, en termes de stimulation, euh, que d'avoir euh, chuchoté les réponses parce que pour le coup... Bon, après, c'est peut-être moi, mais j'aime pas. J'aime pas, pas l'acteur qui joue Bran qui dit Ah, j'ai la réponse, tu vois, et des trucs comme ça. Euh, j'aime pas ce genre de truc. J'aimerais tel, tellement plus entendre les showrunners disent, dire On a demandé à Martine, il n'a pas voulu nous répondre, donc on a fait nos choix. Et quelque part, quelqu'un qui fait un choix, il, il crée toujours quelque chose de plus intéressant que quelqu'un qui a la réponse. D'un enfin, point de vue artistique, à mon sens, c'est plus intéressant euh, de travailler sur du doute que de travailler sur euh, une vérité. Voilà, Merci. je vous laisse là-dessus. <laughs> non, mais de toute façon, euh, bah, je pense que ça, pour le coup, on n'aura pas forcément le fin mot de l'histoire avant très très non. longtemps. Euh, mais euh, là encore, à mon avis, quoi qu'il arrive, euh, c'est pas passé par Martine directement. Parce qu'ils se connaissent vaguement, Ryan Condal et Martine, mais c'est pas non plus. Euh, ils passent pas leur vie au téléphone ensemble. Quoi. À mon avis, ça passe par T. Euh, et, euh, et effectivement, T, pour le coup, elle a probablement euh, les versions préférées de Martine. Mais euh, elle a aussi ses propres versions préférées, d'ailleurs, j'imagine, et peut-être qu'il y a un peu de. Enfin, voilà, on est, on est... il y a quand même des intermédiaires, je pense. Je pense que ça va être peut-être plus intéressant le euh, d'entendre les scénaristes parler du travail d'adaptation sur euh, House of the Dragons que ce que ça l'était sur euh, Game of Thrones, parce que si on aborde ces fameuses questions de choix, et qu'effectivement, ils n'ont pas eu droit à une vérité, mais à un choix qu'ils devaient faire par rapport aux versions, euh, j'aimerais beaucoup les, les entendre en parler une fois qu'on aura eu la série devant les yeux. Mm -hmm. D'autant que sur certains sur certains événements, on peut toujours espérer, moi en tout cas c'est mon cas, euh, qu'il n'y aura pas de réponse complètement figée. Bon, la relation euh, Raenira Kristen Cole, je pense qu'on aura une explication euh, à ce qui s'est passé parce que c'est beaucoup trop gros et c'est beaucoup trop important pour que euh, on fasse l'impasse dessus. Par contre, bah, tiens l'incendie d'Arenal dont on parlait tout à l'heure. Typiquement, ça fait partie des choses où on peut se permettre de laisser la zone d'ombre plutôt que de justement fournir les explications, voire même une seule explication figée. Euh, quelque chose qui pourrait être intéressant, c'est justement le, le doute, puisque comme Chris, j'ai tendance à bien aimer le doute. Euh, et puis, et puis laisser le, le doute je... et confronter les différentes versions des personnages plutôt que de donner la réponse, justement. Ouais, et moi et aussi, puis, je, je préférerais pour et plein d'invénements. Et puis, ouais, et puis le, le cinéma et la télévision ont plein d'outils pour mettre du doute. Ce n'est ouais. pas parce qu'on a une image qu'elle a la valeur de vérité, donc je trouve qu'il y, y a plein de plein de choses intéressantes qui pourraient ouais. être faites autour de, de ça une, un y a les les dans une pièce une, une porte qui se ferme des, des regards des non-dits il y avait vraiment beaucoup de choses à faire qui pourraient Après, être très intéressantes là où je rejoins un petit peu maître Thibault, pour le coup euh, c'est que quand tu regardes les premières saisons de Game of Thrones il y a des moments où Martin fournit des réponses à des mystères qu'il avait mis dans les livres à l'intérieur de la série. Il y a des choses qui ne sont pas filmées de la même manière, des intrigues qui ne sont pas abordées de la même façon, et où du coup, euh, il livre la version telle qu'elle, euh, comme, euh, comme une réponse vraiment, euh, au lieu de laisser le doute qu'il avait installé dans, dans les livres. Maintenant, encore une fois, ça, c'est que dans les premières saisons de, de Game of Thrones, et moi, j'ai quand même le sentiment qu'il était beaucoup plus impliqué dans la création de Game of Thrones des ouais. premières saisons ouais. qu'il ne l'est dans House of the Dragon. Alors, tu t'as l'impression que justement House of the Dragon, il n'en parle pas, il est le dernier au courant pour les castings, il en parle à peine sur son blog. Je me demande d'ailleurs dans quelle mesure la déception de, de Game of Thrones ne rejaille pas un petit peu sur lui et dans son rapport à House. Bref. Euh, moi, j'ai l'impression qu'il est complètement désinvesti de, de House of the Dragon. Et effectivement, je suis d'accord avec ce que disait Nympha. Euh, T doit faire le lien, à mon avis, entre Martine et les producteurs, euh, voire l'équipe de House of the Dragon. C'est en tout cas comme ça que je vois les choses à l'heure actuelle. Mais pour le moment, on n'est pas dans les coulisses, justement. On n'en sait rien. Peut-être qu'on l'apprendra au, au fil des interviews, au fil des saisons. On verra bien. Ah, si ouais. les annonces. Alors, il y a Mestre Thibault qui dit que les annonces d'acteurs, euh, Martin n'a jamais fait ça pour God. Si, 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 on avait droit aux énigmes pour on tous le les acteurs le temps, de Game of Thrones. Tout le temps, il, il le suivait, mais à fond. Et il, il était, il était il tellement est, il heureux est, avec Game of il Thrones. Il Là, on n'a pas du tout le même ton. Il faisait un jeu de questions-réponses avec ses fans sur les acteurs de Game of Thrones. Pour ceux qui ont suivi euh, les annonces de casting qui ont eu lieu entre 2007 et 2011, on était dans une espèce de surenchère. Il, il s'amusait à faire des blagues et tout euh, par rapport à ça. Il essayait de faire deviner à ses fans qui allaient jouer et tout ça. Non, franchement, on n'est pas du tout dans le même rapport à la série. Il, tout a, cas, et, et, on il a et ah, on sait qu'il a il a vu Après, les vidéos de casting en fait de tous les de tous les acteurs importants etc non non il était hyper impliqué et là manifestement il l'est beaucoup moins il a sur le bout des lèvres annoncé le casting de Kristen Cole je pense parce que HBO lui a dit derrière euh, mec là faudrait quand même que tu fasses genre euh, t'es un peu intéressé par notre série quoi euh, et euh, ah, tu le vois comme ça <laughs> ah ouais moi je, moi je l'ai un peu vu ah, comme ouais. ça ouais D'accord. Euh, ça sort, ça, ça, ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, je pense que. Euh, enfin, voilà. Oui. Donc, Après, euh... je, rebondis, je, je rebondis juste sur une remarque qu'a fait Eridan en disant que la série donnait des réponses aussi. Je pense que c'était aussi parce que à ce moment-là, euh, quand Game of Thrones est sorti au début dans les premières saisons, ça donnait des réponses tout simplement parce que on filmait ça comme de la télé et peut-être un peu moins comme du cinéma. Et j'ose espérer qu'aujourd'hui, euh, la frontière étant plus poreuse euh, dix ans plus tard, on aura un peu plus de, de choses moins claires, en tout cas. On verra bien. Voilà. Dans les autres questions du chat, il y a le psychologue qui nous demande si on pense qu'il y aura autant de scènes de cul que dans GOAT. Euh, oh non, moi, je que... Moi, je, moi, je pense pas. Moi, j'y pense je, pas. Je pense qu'on qu est il... là-dessus. Parce qu'aujourd'hui, bah, ça a tellement explosé tout ce qui est chaîne privée que le côté, euh, c'est pas du porno, c'est HBO de l'époque. <laughs> Euh, n'existe presque plus on est dans du post-mitou c'est pas du tout le même rapport au sexe aussi euh, avec, ce, avec les débats qui ont lieu là-dessus euh, on est avec deux a... héroïnes aussi qu'on va pas vouloir trop salir euh, oh, Alicent, oh, oh, oh. Euh, Alicent pour le coup, euh, donc euh, dont on n'a pas parlé, on n'a pas parlé de son casting, mais euh, ouais. donc euh, du coup, euh, c'est Olivia Cook. Olivia Cook. Alors moi, pour le coup, je l'ai vue dans un truc qui était euh, Vanity Fair, euh, la foire mm -hmm. aux vanités en français, euh, adapté de euh, Thomas Fackery euh, qui est euh, et en fait dedans, elle joue l'héroïne qui est une intrigante. Euh, et dans le, mais intrigante tout en gardant une vraie sympathie et un petit côté euh, mutin et, euh, et très intelligent. C'est la fille qui est vraiment plus intelligente que tout le monde, qui, euh, qui intrigue énormément, mais qui veut s'en sortir et tu sais pourquoi elle, pourquoi elle intrigue. Et, euh, et du coup, je pense que le casting pour Alicent est hyper bien trouvé parce que ouais. euh, parce que ce rôle c'est c'est enfin euh, vraiment et elle a elle a réussi à garder une sympathie en étant une pire connasse c'est génial et c'est pas facile je pense que euh, jouer le, le, le premier rôle dans, dans Vanity Fair c'est c'est euh, dur quoi et pareil en plus c'est un rôle en costume elle elle s'est portée du, du corset et tout Ouais et puis euh, après c'est un casting qui est intéressant parce qu'elle a quand même... Euh... Enfin elle a du bagage de blockbuster aussi donc c'est mmh. sait, sait ce que c'est des grosses prods parce qu'on euh, aime ou on n'aime pas hein, mais bon c'est le rôle féminin de Ready Player One donc euh, du coup... Euh... Euh, elle a déjà eu affaire à des, à des, des, des univers euh, complètement, euh, complètement créés de toutes pièces. Donc euh, non, je pense que c'est un casting intéressant. Je me demande à quel point aussi euh, ils ont pas ils n'ont pas choisi parce qu'elle avait joué dans Ready en One et que le film a quand même plutôt bien marché et que euh, on pourrait se souvenir d'elle en parlant de ça quoi. Voilà. Juste peut-être pour revenir à ce que tu disais, Ninfa, parce que tu as fait une transition très rapide. Euh, L'actrice, du coup, Olivia Cook, d'Alicent, de, de a dit que justement, elle faisait très attention dans son contrat à ce que son corps ne soit pas trop exposé et que du coup, il y aurait moins de sexe dans, dans House qu'il n'y en avait eu dans God, si je ne me trompe pas. Mais de toute, toute façon, ça, euh, son, son, son rôle à elle, euh, c'est un rôle qui, a priori, n'amène assez peu de rap. Port, euh, euh, de séduction euh... avec des hommes. Enfin, bon, il y a, y a une scène, moi personnellement, j'espère qu euh, que c'est une aussi. version qu'ils ont. j'en veux pas. Oui, j'en euh, veux pas. Ça, ce sera bien plus tard dans la série. Euh, oui. Et où, effectivement, là, euh, elle serait éventuellement très dégradée parce que. Euh, gros spoiler, si jamais. Est-ce que vous le voulez Est-ce que vous ne voulez pas sur le chat Gros spoiler Je sais pas. J'attends. Mm -hmm. J'attends de voir si le, bah... le chat me dit gros, gros spoiler ou pas. Oh, on peut attendre un peu après euh, il y a Mestre Tibou qui dit qu'effectivement il y aura moins de violence graphique dans la série oui bon euh, <laughs> ben ça dépend hein, ça dépend parce que quand même le livre il est euh, il est euh... il y a des trucs hard quand même le bal Mais... du boucher c'est c'est as quoi <laughs> fausse mm. le se les de... les les banquets de cadavres en plein milieu du conflit c'est c'est pas joyeux non plus euh, la mort de Jairis le fils d'Aegon II dans la mise en scène, c'est quand même sympathique. Euh, après, on verra. Alors, tout bien, ce qui hein, va exactement. être fait aussi à, à, à Thailand Lannister. Euh, Alors ça, je ne pense pas que ce soit très représenté. Bah, je ne sais pas, je mais si jamais c'est fait, euh, ça. Et euh, oui, et après, euh, bah, fromage et sang, hein. euh, blood and cheese. Euh, euh, fromage et sang, meilleure scène, meilleure scène de toute la série. Quand est-ce est qu'elle arrive à... C'est hyper hardcore. <rire> <rire> et donc, on, et donc, on nous dit sur le chat qu'on peut spoiler. Donc, euh, en l'occurrence, Alicent à un moment avec sa fille sont supposées être euh, être mises en pâture dans une dans un bordel euh, pour que tout le monde leur passe dessus, quoi. Non. Donc, euh, là aussi, on est sur du, euh, on est, on peut être sur du très hardcore. Après, une fois de plus, ouais, euh, le pas. cinéma s'invitant un peu plus à la télé. J'espère qu'on sera su, plus sûr du non dit parce qu'on n'est pas obligé oui. de montrer pour choquer. Donc euh, j'espère qu'on aura quelque chose de plus intelligent. Pareil, ouais, vraiment. Que, si. ce qui passé, que ce qui s'est passé avec la pauvre Daenerys dans l'épisode 1. Voilà. <laughs> Mais euh, fromage et 100, euh, moi je reviens dessus, ça fait partie des castings que j'attends. Vraiment. Euh, ah, bah, on disait ouais. qu'ils avaient un casting de gueule. J'espère que là-dessus, ils vont vraiment pas se rater parce qu'il y a moyen de faire un truc génial. Voilà. Tout. <laughs> moi, moi pour moi ça, je pense que ça va être un, 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 un season final ou un épisode 9 hein. fromage et sang c'est mm. tellement c'est un épisode oh oui, méga iconi iconique c'est euh, ils vont Bien. ils vont finir une saison là dessus ça va être leur ça va être leur, leur, leur scène épisode 9 à un moment allez euh, on va passer à coris <laughs> <laughs> euh, bon non, si c'est euh, pas vrai, en plus. Pas vrai. En plus, vrai. Euh, je pense qu'on a dit, déjà dit beaucoup de choses sur le site donc si vous voulez euh, si vous voulez une... Beaucoup d'éléments sur, euh, sur, euh, bah, sur la, la couleur de Carlisle Vélarion qui a fait couler énormément d'encre. Euh, bah, Référez-vous aussi de la garde de nuit. Je pense qu'on ne va pas non plus euh, trop, euh, trop, trop, euh, trop en reparler là, parce que c'est bon. Hein, le... non, enfin, en tout mais cas, moi, je le, pense dé que, le débat bah, est clos. Quoi. Bah, pour moi, le débat est clos, et puis de toute façon, euh, Steve Toussaint a l'air d'être un excellent acteur dans tout ce qu'il a fait. Euh, et euh, en fait, plus les gens sont contre, plus je trouve ça cool. <laughs> Donc, non, mais c'est vrai. L'esprit de, de, de très... contradiction, mais tu oui, sais. Mais... Ah. Non, mais moi, c'est pareil. Hein. Moi, moi j'adhère voilà, vachement. Plus, ouais, plus les gens sont... Euh, plus, plus les gens sont véhéments avec ce, 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 ce pauvre Steve simple, plus, plus, plus je trouve ça chouette. Et au final, même, je trouve que... Bah, ce n'est pas les choix que j'aurais fait, parce que ce n'est pas comme ça que je me le représente, mais une fois de plus, c'est comme avec Matt Smith. Maintenant, on va pas s'arrêter à une couleur de peau et, euh, et basta quoi. C'est. Euh, un pur acteur, ce mec. C'est un pur acteur. C'est ça, c'est ça, ça. Donc ça va être... Je suis sûr que ça va être vraiment très bien et je serais très content que ce soit très bien. Enfin, en tout cas, en termes de jeu d'acteur et tout. Après, est-ce que vaudra la série, je sais pas, mais lui, je suis sûr qu'il sera bien dans le... dans le rôle. En tout cas, sur la photo, il a l'air suffisamment malicieux pour pas être à côté de la plaque. Donc euh, voilà. <laughs> et Christian Cole, du coup. Alors Christian Paul après là ça c'est là c'est Viserys. Ah mais non, non 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 pardon. ça c'est Viserys. Là c'est le roi Viserys pas les je ne sais pas comment comment le prononce. c'est pareil, c'est un BBC man, Shakespeare man et c'est le tout premier casting annoncé de la série. Une fois de plus, sur le côté racolage, c'est quelqu'un qui a fait la, la troisième saison de picky Blinders, donc c'est des, des, des séries que les gens qui ont aimé Game of Thrones aiment, donc du coup on se retrouve un peu avec des personnages qu'on retrouve. Sur le coup, moi je trouve ça sympa comme casting de Viserys, parce que ce... je pense que ça c'est une fois de plus c'est comme Graham McTavish, c'est un acteur, il arrive, il se pose, t'as envie de boire une bière avec lui, ok c'est bon, j'ai de la sympathie pour ce personnage, il peut mourir à la fin de la saison 1. Il y a un truc, <laughs> enfin, non mais tu vois, il y a ce côté. Euh... Ah, Peut-être pas à la fin de la saison 1, allez la saison 2, laisse lui le temps quand même. Ah moi je pense que non. ça va finir par la par euh... par ça en saison 1. J'aimerais pas trop que ça, que ça finisse par ça parce que je pense qu'on leur reprocherait la, la proximité avec la mort de Robert en saison 1. J'espère qu'ils se retrouveront une manière vrai. de scénariser ça autrement. Mais, euh, mais voilà, quoi, c'est très très bien. Mais comme Marcadi était le, le, le roi avec qui tu avais envie de boire une pinte, en fait. Tu vois et du coup, euh, je trouve que ça amène un capital sympathique qui marche tout de suite. Et c'est très bien. pas dit qu'on s'y J'attends beaucoup de le voir en costume, parce que pour le moment, il n'y a eu vraiment aucun... aucune image officielle de lui, aucun costume, même pas de l'X. Et euh, j'ai du mal à me le figurer, c'est pas forcément comme ça que je m'imagine Viserys, pour être honnête, il lui manque quelques kilos pour ça. Mais, euh... Mais justement, moi j'ai trouvé ça hyper intéressant. Euh, ouais. parce, que, parce, que Viserys, parce que Viserys, pour le coup, c'est Robert. C'est le, ouais, le ouais. gros roi beauf euh, qui, qui en a rien à foutre de gouverner. C'est exactement le même personnage. Et Mais honnêtement, ça moi, plus ça plus me plus saoulait qu'on qu ait une redite. Et donc, je trouve que là, euh, avec cet acteur-là, de suite, euh, apportes une un petit côté malicieux et un petit côté beaucoup plus. Euh, beaucoup plus sérieux et qui peut être beaucoup beaucoup plus sournois. Enfin bon, après moi je l'ai vu dans je l ai vu dans, dans Peaky Blinders* et dans Peaky Blinders* il est quand même est quand même bien atroce. Donc euh, donc euh, du coup euh, du coup je me dis que euh, voilà il, il, il apporte un, un contrepoint à Robert et euh, et je trouve ça pas mal. Après, yeah. je pense que le Robert de Game of Thrones avait été largement atténué dans ce qu'il pouvait avoir de violent, alors qu'à l'inverse, peut-être que ce Viserys-là, il sera. Euh un petit peu euh, plus bah, sévère, tu vois. C'est quand même le mec euh, qui fait taire euh, cinq euh, Vélarions euh, qui parlent trop en leur coupant la langue. C'est peut-être le mec qui met le feu à Arenal pour euh, tuer l'amant de sa fille et qui tue au passage sa main. Donc il euh, y a moyen d'en faire, il euh, y a moyen d'en faire quelque chose d'un peu différent justement de Robert, euh, ce personnage-là. Et ça pourrait être ouais, vraiment très intéressant. Même si Robert, je trouve que ça se jouait vraiment dans l'intimité. Je pense que les spectateurs se souviennent pour beaucoup du moment où il met une tarte à et je pense que c'est le moment où ça va te retourner Marcadie dans une autre dimension et c'est un peu ce qu'on attend d'une série Game of Thrones du coup je suis d'accord pour dire que le mec a l'air sympa dès le début c'est très bien et que si jamais derrière on y met de la nuance c'est toujours cool ça soulève le point de savoir si on aura Valerion avec Paddy Considine je ne sais pas prononcer son nom moi je me dis que ça ferait une scène d'introduction du tonnerre euh, mais euh, tu mais sais. la saison 1 tu ouvres la saison 1 là dessus tu poses, tu truc, poses quoi, mais... House of the Dragons là t'as ton dragon tu, as, ouais as le, mais as le dragon déjà mort titre. en théorie t'as le dragon du titre dans le truc quoi. mais bon c'est en, en scène pré-générique s'en <laughs> fout après il y a une ellipse de 20 ans <laughs> non mais tu vois c'est euh, je sais pas peut-être enfin je sais pas en tout cas on verra son crâne je pense <laughs> on le reverra Alors, ensuite, là, on a Yves Best. Euh, Yves Best, donc, qui est euh, dans le rôle de Rhaenyra, Rhaenira, la femme de Corliss. Oh, euh, oh, de Rhaenis, pardon, excusez-moi. Oui. Voilà, tu vois. Et, et, et c'est un peu mon problème avec ce dessin, c'est qu'ils ont tous le même nom. Fucking Targaryen. <laughs> Parce que elle, donc, c'est une, une Targaryenne. Toujours. Euh, c'est euh, une, euh, une, une descendante de Jaerys, c'est une Targaryenne pure, pure souche qui a été mariée à Corlys. Euh, c'est une dragonnière, elle a un caractère de feu. Euh, elle est brune normalement, mais dans la série, a priori, elle va avoir le, le ah, phénotype de euh, ou... Targaryen. Après, ça dépend. C'est ouais. peut-être euh, les cheveux qui ont grisé avec le temps. Aussi. Euh, elle n'est pas complètement Targaryen, hein. elle est un peu Baratheon aussi. Un peu sur baratéon les aussi, oui. Ouais, après, euh, ça, ce serait pas déconnant. Des... Ah, oui. Je sais pas, c'est compliqué, Feu et Sang, hein, parce qu'il y a tellement de perruques qu'à un moment, soit tu décides que ah. si tout le monde dans la même couleur et tu comptes sur les visages pour les distinguer, <laughs> soit, soit... soit tu fais des couleurs différentes mais tu prendrais risque de paumer le spectateur, quoi qu'ils comprennent qu pas l'affiliation, en tout cas. Ouais. Mais en tout cas, euh, c'est euh, une femme de tête, euh, Rhaenys, et elle, 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 elle pète le feu, donc euh, du coup, euh, bah, Yves Bess, elle a aussi un... Un, un rôle euh, qui euh... ouais et puis, et puis une fois de plus c'est quelqu'un c'est comme tous les autres acteurs hein, c'est de l'acteur britannique qu'on connaît peut-être un peu moins mais euh, qui je pense a plus à prouver ça va être ça va être sympa je pense ah, tout à l'heure, on dénonçait le fait que le dernier casting officiel était très masculin, et c'est parfaitement vrai. Mais elle, j'avais été assez surpris de l'avoir annoncée dans les tout premiers, et surtout de l'avoir annoncée comme une actrice principale. Parce ouais. que, a priori, Rainis, elle est très cool dans les bouquins, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas spécialement le personnage sur lequel on prend le plus de temps. Et euh, en fonction des approches, euh, on ressent pas tous la même chose vis-à-vis -vis de ce personnage-là. Bref. Du coup. Ça m'intéresse, moi. Je, je me demande vraiment ce qu'ils vont pouvoir faire d'elle et euh, à quel point ils vont pouvoir la développer dans son rapport avec Corlys, dans son rapport avec ses enfants, dans son rapport avec Rhaenyra aussi. Ça peut être très intéressant. Donc à voir, vraiment à voir. Ouais. Mais moi, ouais, pareil, j'avais été super contente de voir qu'il l'a présentée comme un personnage principal euh, parce, que, parce que tu peux faire plein de trucs avec, euh, avec Rhaenys. C'est un pur personnage. Euh... Donc du coup, ensuite, on a euh, les versions jeunes des actrices, parce que euh, du coup, alors on ne sait pas si ce sera des flashbacks, si ce sera euh, un premier épisode, est... un, avec des, qui des a, timelines. Qui, 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 a, qui, qui, a, qui, a, qui implique un flashback, un euh, enfin, avec des personnages plus jeunes, implique peut-être un gros Balérion euh, pour se poser dès le début. Hein. <rire> <rire> Il est déjà mort. C'est pas possible. <laughs> Euh, bah en tout cas, donc, du coup, on a des versions jeunes des deux, euh, des deux reines. On a donc Millie Alcock pour euh, représenter euh, euh, Rhaenyra. Et on a... Euh, Mademoiselle Longer, j'ai oublié le, le nom, attendez. Laissez-moi retrouver son nom, j'ai perdu mon j'ai perdu mon mon lien, j'ai pas. C'est Émilie Carré que tu cherches. Émilie Carré, voilà, c'est ça. Donc, euh, deux petites jeunettes... Euh mignonettes qui, pour le coup, ressemblent quand même pas mal à leur version euh, adulte. Et qui sont des personnages, qui ont, enfin, qui sont des, des actrices, en tout cas pour Emily Carey, qui a quand même une filmo euh, assez active, donc je pense que c'est pas euh, des nés de la dernière pluie non plus. Ouais, je pense qu'ils font pas la même erreur qu'ils ont fait avec les jeunes acteurs de Game of Thrones qui ont un très grand bon rôle. C'est-à-dire qu'ils prennent des, euh, ils prennent quand même des, euh, des, euh, des enfants acteurs qui, euh, bah, qui ont de la bouteille quoi. Parce que sur Game of Thrones, euh, euh, ils ont fait certains très 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 bons choix. Hein. Ils ont eu beaucoup de chance, euh, mais sur certains, sur, sur, sur un Kit par exemple, ils ont eu moins de chance quoi. On y revient. Bon, on peut passer à la suite. Hein. Allez. Euh, ah mince alors attendez excusez-moi euh, j'avais d'autres photos parce que euh, mais sauf qu'elles ont pas elles ont été rajoutées et donc du coup mon slide ne les a pas prises en compte je suis désolée euh, bah, du coup on les mettra je vous les mettrai en ligne en lien euh, et Babar euh, qui fait le relais sur, sur le chat pourra vous les envoyer euh, <laughs> euh, mais on a euh, également euh, dans les annonces euh, Christian Cole, dont j'en ai beaucoup parlé, qui s'appelle Fabien Frankel. Euh... Oh, qui est plutôt beau gosse hein, ma foi. <laughs> Pour connaître. <laughs> voilà, ouais, bah, ce qui colle assez bien avec le Christian Cole. Euh... Il colle parfaitement au personnage, oui, qui est censé être quand même très séduisant, euh, être le monsieur de ces dames euh, à la cour de Viserys. Donc, euh... ouais, moi, moi aussi, je l'attends beaucoup, celui-là, en armure. Euh... On a hâte de voir ce que ça va donner. Et qui du coup a joué euh, récemment, pour ceux qui ont peut-être vu la série, euh, qui a joué dans le serpent avec euh, Tahar Rahim, euh, notamment. Voilà. Et euh, dans les autres acteurs, il y a également qui avait été annoncé comme personnage principal. Euh, Sonok, Sonoya Mizuno, euh, qui joue Mizaria. Euh, donc, Misaria, c'est euh, le vert blanc, c'est euh, normalement une Lisienne, euh, un peu sorcière, un peu, euh, euh, un peu mystérieuse, euh, qui a un peu le rôle de Varis dans le côté araignée euh, dans les bas-fonds de Port-Réal, euh, et surtout, et qui, qui est aussi l'amante la, de Démon. Qui, a, qui est assez, euh, assez... sulfureuse, on va dire. Ça aussi, c'est un personnage qu'on n'a pas encore euh, vu en costume et, et qu'on attend du coup. Euh, euh, Je suis assez d'accord avec ta présentation. Après, euh, elle va aussi euh, être danseuse dans les tavernes, ce que n'était pas vraiment Varys. Ça. Mais... <laughs> Mais bon, oui, effectivement, elle, elle reprend un petit peu son trop à lui euh, de s'extraire des bas-fonds pour essayer d'obtenir une place au soleil en se servant des puissants. Elle va être, elle est aussi maîtresse des Chuchoteurs. Euh, bon, bref, et elle va organiser tout un tas de choses. Elle va également être l'amante de Daemon et elle va manquer de lui donner un enfant, ce qui va être euh, un gros problème entre Daemon et son frangin Viserys. Mais... On va pas entrer trop dans le détail. Moi, je suis quand même... Allez, on va le dire quand même. Je suis un petit peu surpris de ce choix d'avoir euh, casté euh, une actrice typée japonaise ou chinoise. J'ai peur de dire une bêtise. Je dirais japonaise vu le, la sonorité du, du patronyme. Euh... À partir d'un personnage est qui est sorti. Elle est née euh, voilà. le, 1er le 1er juillet 1986 à Tokyo. Ah, nous sommes ravis pour elle. Euh, L'Élysien, bon, ça nous aurait fait encore un nouveau personnage, euh, un nouveau personnage d'apparence targue, et ça, je pense qu'on en a tous ras euh, la casquette. Mais euh, pour le coup, oui, j'étais assez surpris que ce soit. Euh, des origines du coup asiatiques qui soient choisies pour Lys, est-ce que ça aura une influence sur le reste du casting parce que Lys est quand même censé faire partie de la triarchie est-ce qu'on verra d'autres personnages typés asiatiques du coup euh, originaires de Lys je ne sais pas, mais ça peut être intéressant Ouais moi j'ai trouvé ça un peu genre ah, c'est une sorcière mystique euh, d'au-delà du détroit Pareil, je trouvais ça hyper facile, facile. J'ai trouvé ça un peu simple, tu vois. Je trouvais ça bizarre d'avoir ce choix un peu couillu pour euh, Corliss Velarion et celui-là qui va taper vraiment dans ouais, le cliché. Dans Même Viking était passé dedans, tu vois. Donc, du coup, euh, voilà. Sans, bah, sans, après, je, je, je demande quelle voix de porter mais en fait, c'est plus le choix qui est derrière qui me semble étrange, plus que l'actrice qui, pour le coup, je pense, fera du bon taf, mais euh, voilà, c'est tout. Euh, donc voilà, mais là on a fait à peu près le tour des, euh, des castings annoncés euh, et euh, du coup la question maintenant c'est les que quels castings non annoncés vous attendez à fond. Il y a ah, eu Champignon tout à l'heure. Ah grave. <laughs> ah, moi je pense que Champignon l'aura pas. Ou ouais, alors éventuellement en clin d'œil, mais à mon avis euh, on n'aura pas de personnage hmm. de Champignon. On aura un fou qui. Paraître qui de temps en temps, mais euh, pour faire des je... clins d'œil aux, aux lecteurs du livre, mais je pense pas qu'on aura un personnage important. Champignon. Le problème, c'est que Champignon, quand c'est dans la narration, tu dis, ah ouais, c'est un personnage qui est drôle, qui est caustique, qui est intéressant, mais quand tu le ramènes à son rôle vraiment dans La danse des dragons, c'est juste un cliché de nain, de, de bouffon royal. Enfin, c'est. Pas un rôle qui a priori est très très intéressant. Est-ce que vraiment on a envie de voir ça euh... Je sais pas. Je sais pas et je suis pas sûr que le personnage rendu à l'écran serait finalement si intéressant que ça. Euh... Après, oui, oui. La, vu la enfin, quand tu as lu le livre, L'affect positif avec Champignon, tu l'as de ouf et tu as envie de le voir. Mais est-ce que vraiment ça rendra bien à l'écran je me demande surtout coup. que comme on dit sur le chat euh, champignon euh, c'est quand même beaucoup Tyrion le nain avec une, une gueule quoi. Euh, et il y a un moment euh, Peter Ginklage est tellement iconique dans Game of Thrones si tu en remets un euh, qui il ressemble beaucoup euh, mais pas tantalement quand même il enfin, y, a, y, a, y, a y a un côté redit et un côté aussi on t'attend trop au tournant enfin, tu, sais, plus pas, tu peux plus passer mais... derrière enfin, c'est hyper ça. difficile D'autant plus que Tyrion était intéressant parce que c'était un nain, il avait une grande gueule et tout ce que tu veux, mais il n'était pas un bouffon, il faisait Exactement. partie de la noblesse, il avait une stature qui lui permettait d'ailleurs d'avoir euh, une grande gueule sans être un bouffon. Là, vraiment, on tomberait dans le pire des clichés, et du coup, est-ce que c'est -ce est intéressant? Moi j'ai un, un, un doute. Maintenant, euh, j'attends pas beaucoup plus le casting de Septon Eustache, le confesseur des Tingaria! qui va nous donner des points de vue comme quoi, oh là là, les Targaryens sont tous formidables et magnifiques. Bon, Rhaenyra, elle a la cuisse un peu légère, mais quand même, les autres, qu'est-ce qu'ils sont bons <laughs> Enfin, oui, non, voilà, ce personnage-là, est-ce euh, que lui aussi rendu à l'écran, il sera très intéressant Je ne pense pas, déjà dans les livres, on nous dit à quel point il est rasoir, ce mec. Donc, euh, je ne sais pas, quel autre personnage on attend Alors, il nous... sur, le... sur le chat, nous avons euh, Léonor Valérien valérie ouais, Vélarion. Alors l'énorme pour le coup, euh, enfin, c'est pas officiel, mais, mais, euh, mais, les, euh, on, mais il a été sur, des, sur plusieurs photos liquées euh, et il a été reconnu en étant un certain Theo Nate, euh, donc qui est un, un, ben, un acteur britannique euh, métis plutôt mignon lui aussi d'ailleurs. Hein. <laughs> voilà. Merci pour ton expertise. <laughs> Après, on a Aémond et Adam ah, et Marion oui. et Aegon 2 qui pop aussi. Et Horty. <laughs> <laughs> et Horty voilà. également. Bah, ouais. et Orti. Mais Horty, ça sera dans 1000 ans. Donc ça euh... sera dans très longtemps. Ouais, ça sera dans longtemps. A priori. Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien, si on veut aller du côté un peu des filles, j'aimerais beaucoup Jen Harin mais ça, c'est très personnel, parce que Jen Harin est cool. Euh, J'aimerais bien Baila et Raina, mais si on ça, pouvait s'éloigner un petit peu de. Oui, c'est dans longtemps aussi. Ah, oui, c'est dans longtemps et en même temps, ça se rapproche quand même, parce que théoriquement, c'est les filles de Laina et de Daemon. Et du coup, euh, bon, on aura peut-être un casting jeune pour elles et un casting un peu plus âgé, on ne sait pas. Ou peut-être qu'on n'aura rien du tout, parce qu'ils diront, euh, non, elles sont pas intéressantes. Après, s'ils si peuvent s'éloigner des personnages qui, dans les livres, des fois, me font beaucoup trop penser à eux, c'est Sansa et Arya mais en jumelles ça serait cool. Euh, J'en avais un dernier qui m'était venu par l'esprit. Bah, Craigan Stark. Bah ouais. Et on a envie de voir Craigon Stark avec Regan Stark ah, et, euh, et, euh, et sa meuf enfin, euh... et Sarah Snow bah oui il bah, y a Sarah Snow qui est sa fille ah oui et puis Alizane mais Nervos y y a, pensais Alizane. Moi je, pensais, je pensais à Alizane mais pareil Alizane ce sera dans beaucoup plus longtemps mais alors oui. elle est tellement badass aussi elle et toutes les, euh, toutes, euh, tout, 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 tout le crew là, de, de, de Alizane là, les, les, les ladies euh, les ladies en furie euh, qui, euh, qui, reprennent le, euh, le, qui reprennent la guerre à la, à, à la place de leur à la place mec c'est c'est tellement bien, sont... j'ai trop trop hâte de les voir. Euh, et effectivement, moi, si on, on parle, parle, parle de si... Benjico aussi côté Nervos, ils sont trop bien, ouais. les Nervosques. Ouais, ouais, bah, ouais, mais moi si on parle des Nervosques, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait du bracken. Hein. Ah bah. Ça, c'était la grosse oh là, impasse. Oh ouais, c'était ouais, la grosse poêle, ouais, mais ça veut rien dire. Tu mets les que tu mets pas les bracken. J'ai ah tellement là, envie de là, voir là. la bataille pour le moulin, moi. <rire> <rire> ça a l'air tellement nul et génial à la fois. <laughs> que, euh, mais bon, euh, que voilà, quoi. bon Donc, tout ça, bah, c'est oui. quand même dans longtemps. Hein. Dans un bon moment. Ouais. Enfin, euh... oui, ce... bon, en théorie, après, oui, non, si, oui, si. Dans... supérieur à Bracken, Babart et vraiment trop Dark Pew retourne avec Euron. Ben. <laughs> Non, mais dans les vrai. personnages qui devraient arriver dans pas trop longtemps, je pense que Cregan Stark, il devrait, il devrait euh, le casse, oui. ils peuvent le En fait, ça dépend s'ils si font euh, tout le voyage de Jace, euh, de Jace. donc euh, le fils, le, pre... le fils aîné de Rhaenyra, à un moment cherche à, rap... à rapatrier, enfin à ramener euh, dans le Giron de sa mère. Euh... Euh, les Stark, donc il va à Winterfell. Il aurait peut-être une amourette avec Sarah Snow. Que, euh, moi, 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 je les kiffe à Donf. J'ai trop trop hâte de voir. Ça. Je, je serais trop déçue s'il n'y a pas une, une amourette trop mignonnette entre ah, les mais deux. C'est évident, attends. Ah, mais si. évident. Moi, je suis tellement une forf... midinette. Ils, vont... Ils vont forcément le faire parce qu'ils vont autant ah, oui. de faire un next season et mettre juste un plan de Winterfell et les gens seront à Donf. Tu, re... tu recrées oui. un Johnny Grit, tu sais, mais en mieux, du coup. Euh... Ouais, ouais, si, si, bien sûr. Évidemment qu'on va le voir ça, c'est obligé. Et donc, euh, donc voilà, mais donc du coup, Cregan, il devrait arriver quand même avant, euh, avant, avant Noire et tous les autres. Ah ouais. On bah, verra. Il, il arrivera euh, juste, quand, euh, quand, quand, la, le tout, 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 début de la danse des dragons, quand on cherche à récupérer les Ouais, les Il y a soutiens, des chances mais euh, voilà ouais. sinon dans les euh, effectivement il y a Aemond donc euh, un un verre qui est qui est hyper tu <laughs> dis ça avec un tel dépit ouais c'est un verre voilà. <laughs> non mais non mais en fait le mec je le trouve un peu trop caricatural là, tu vois, le mec le mec avec son cache-œil et et son côté un peu bad boy j'adhère cache-œil c'est fille c'est encore plus classe tu sais <laughs> Après, bon, au-delà de ça, le personnage est un gros connard. Mais euh, voilà, il en faut pour tous les goûts. Mais ouais, non, du coup, euh... après, bon, il y aura les enfants de, de Ryan les enfants de, de, de Alicent, euh, qui vont être probablement castés assez rapidement. Mais euh, bon, bah là, c'est des castings plutôt de jeunes. Donc, euh... Mais j'attends quand même euh, Jay, les trois petits forts. Euh, je les attends quand même un peu, moi. Je, je suis curieuse. De... Ouais. <laughs> Pour le moment, il y en a que deux. Je suis très, très inquiet Je dois vous avouer. <laughs> J'espère vraiment qu'on les aura tous. Bon, moi, je ne vais pas tarder de devoir vous laisser, les petits amis. Hein. <laughs> ouais, puis là, ça fait quand même un bout de temps qu'on parle. À la base, on avait ça. dit, on va faire un tweet un peu rapide sur le casting. Finalement, on y eh. est encore. On ne s'arrête jamais Allez. de parler. 40 minutes, ça va tenir. Oui, bien sûr. <laughs> Bah, bah, du coup, euh, ouais, je pense qu'il est l'heure de conclure. Yes. Et euh, bah, du coup, euh, n'hésitez pas à euh, venir sur notre site internet, non seulement pour apprendre plein de trucs sur euh, House of the Dragons, toutes les news, euh, bah, de toute façon, euh, on vous les reportera euh, avec un sérieux. Euh, constant et et, 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 et sans ah. fake news parce que on vérifie toujours avant de, avant de poster nous euh, on y retrouve aussi euh, des discussions autour des, euh, des photos liquées euh, même si pour le coup euh, on les met pas sur le blog parce que euh, parce que c'est quand même pas totalement euh, pas totalement légal légal tout ça donc on, nous on n'héberge pas les photos mais vous vous pouvez les retrouver en discussion forum. Euh, et puis bah, sinon euh, on a plein d'autres choses parce que à la base on parle pas de house of the dragons on parle de, du trône de fer et notamment euh, instant pub mais en ce moment on a on a quand même un, un gros revival des mercredis et théories on a des oui. super analyses qui sont parues et qui vont continuer à apparaître encore pendant quelques semaines on a des, des articles hyper fouillés d'analyses euh, autour de Stanis Baratheon et, euh, et en particulier en ce moment mais également de toutes les lubies Baratheon puisque c'est le titre de l'événement blog euh, donc euh, donc, euh, franchement, allez voir ces articles parce qu'ils bah, sont top, quoi. Et euh, n'hésitez pas à commenter, que ce soit sur nos réseaux sociaux ou directement sur le forum et le blog, parce que nous, ça nous fait plaisir, tu vois, quand on n'a personne qui nous dit « Ouais, euh... enfin, on, on aime bien en fait que vous likiez les trucs, tu vois, c'est un peu triste, mais, euh, mais, 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 mais ça fait quand même plaisir. <laughs> » Donc euh, donc franchement, euh, allez voir quoi, faites-moi pour... Faites plaisir. <laughs> C'est tellement désespéré. <laughs> non, et puis il y aura, y aura un podcast sur Bran aussi, qui arrivera plus tard dans le mois d'octobre, euh, qui est ah enregistré, bon qui est quasiment monté, et qui normalement devrait, euh, devrait popper quand oui. il sera prêt. C'est passionnant <laughs> Donc voilà, Donc, du coup, bah, allez sur le site de la carte de nuit euh, et, et, et lisez tout ce qu'on a à dire parce que euh, vous n'en avez pas fini. Puis après, vous pouvez aussi aller lire tout le wiki et là, bah, vous, <laughs> vous dormez plus de la nuit parce que vous avez vraiment beaucoup, beaucoup d'articles à lire. Bon. Voilà, je pense la des bisous. Ouais. Oui. Merci, Merci pour ce Bon pour... moment les gens. Merci Adieu. pour tous. Bisous, bisous, bisous. À la prochaine.